Et j'espère que je vous apporterai un petit peu d'informations que vous pourrez rapporter chez vous. Et ensuite, peut-être mieux comprendre justement cette ressource en eau qui est quand même, qui joue un rôle très important. Donc je vais vous parler des enjeux, un tout petit peu de qualité aussi, et puis des impacts des activités humaines. Alors j'ai de quoi parler pendant 4 heures si vous voulez, hein, y a pas de... Non, non, je vais m'arrêter avant. Il n'y a pas de souci. Et donc comme l'a dit Jean-Marie en introduction, donc je suis à Toulouse et là vous avez le bâtiment de notre école, l'école d'ingénieurs qui est ici, qui fait 20 000 mètres carrés de surface avec la partie enseignement, formation et la partie recherche. Il y a 4 laboratoires de recherche dans ce bâtiment. Avec des unités, avec soit rattachées donc à l'INRAE pour nous, ou sinon au CNRS pour les tutelles. L'autre chose qui est importante, c'est que ce bâtiment a été inauguré il y a juste 15 ans, en 2009, suite à un accident important qui est arrivé à Toulouse, c'est-à-dire le 21 septembre 2001. Puisque le bâtiment où nous devions ensuite tous se réunir, puisque c'était la fusion de 2 écoles d'ingénieurs, l'école de chimie de Toulouse, qui était fondée par Paul Sabatier, et puis l'école de génie chimique. Le site, vous le connaissez quand vous passez à Toulouse, hein, c'est là où il y a maintenant le casino. Donc, puisque le casino Barrière, puisque nous étions à ce bâtiment, juste de l'autre côté donc d'AZF. Voilà. Et pour la petite histoire, le 14 septembre 2001, la rentrée de la promotion, de la première promotion de l'école, qui s'est faite le septembre 2001, s'est faite le 11 septembre 2001. Voilà, donc il y a des dates qui marquent. Voilà. Et donc le 14 septembre 2001, nous avions une conférence qui était donnée par le directeur des risques de Total, et qui nous a dit, dans cette conférence, il n'y a aucun risque chez Total. Voilà, c'est comme si c'était hier, j'entends encore ce monsieur nous parler et nous dire ça, voilà, alors que la semaine suivante, à 10h17, donc, il y a eu l'explosion d'AZF. Donc, pour revenir sur ce que je vais vous dire, donc je vais parler d'eau, et puis des choses qui vont peut-être vous surprendre, je vais essayer d'être didactique. Et puis la première question, c'est allons-nous manquer d'eau? Alors je pense que quand faisais les premières conférences il y a quelques années, là-dessus, les gens rigolaient presque au nez, hein, en disant l'eau, il y en a suffisamment, etc. Et puis, et ben, vous êtes dans un département, l'Aude, je connais un tout petit peu. Vous avez un autre département qui n'est pas très loin, qui est donc le département des Pyrénées-Orientales. Voilà, donc il y a maintenant des questions qui se posent, qui sont fondamentales. C'est ce problème d'eau, et là c'était en Chine. Et pour être sûr que la population et les gens puissent avoir accès à l'eau, ben, ils mettaient des cadenas sur les robinets. Voilà. La deuxième image qui est importante, c'est celle-ci. C'est celle qui peut surprendre qui est l'image de cette oasis, cette très belle oasis. Donc vous êtes dans une zone où tout à coup la topographie fait que vous pouvez avoir des petites résurgences, et puis après on va chercher l'eau en profondeur dans l'aquifère. Et du coup, ben, on va irriguer avec cette eau. Sauf qu'on ne fait pas attention forcément à la qualité de l'eau. Et au bout de quelques années, on a ça. Voilà. Donc c'est la salinisation des sols. Et là, vous avez tous ces palmiers qui meurent parce que vous avez un sol qui devient complètement inculte. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à quelle est la qualité de l'eau et qu'est-ce que vous en faites de cette eau, d'où elle vient. Alors je viens d'Alsace, je l'ai dit tout à l'heure, enfin ça a été dit tout à l'heure. Vous avez une pollution historique qui est celle des mines de potasse d'Alsace. Vous avez entendu parler des mines de potasse il y a encore pas très longtemps, puisque les problèmes de stockage des déchets dans ces anciennes mines, depuis après leur fermeture. Et quand les mines de potasse ont été découvertes lorsque l'Alsace était prussienne, lorsque l'Alsace, en 1918, avec la Moselle, est revenue en France, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été impossible pour les producteurs d'utiliser un des déchets des mines de potasse d'Alsace.
Et ce déchet, c'est le chlore de sodium. Voilà. Puisqu'il y avait les salines du Midi, pas très loin d'ici, il y avait les salines de l'Est à Nancy, qui faisaient qu'ils ont dit, nous on veut bien que les mines de potasse exploitent, mais le sel, il est stocké sur des terrils, et avec à la fois des argiles et du sel. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu dissolution de ces terrils, et sous les terrils, la concentration en chlore de sodium pouvait atteindre, ouvrez bien vos oreilles, hein, 200 grammes par litre. Voilà. Donc on arrivait, et cette eau était ensuite pompée en aval pour l'agriculture. Et je me souviens, quand j'ai commencé ma thèse, il y avait quelqu'un qui travaillait sur les problèmes de salinisation dans les champs de maïs, notamment au niveau de la plaine d'Alsace. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut arriver chez nous. Et là, je prends cette région, je prends les deux départements, Aude et Pyrénées-Orientales. Tout ce qui se passe sur la côte, avec le déplacement, j'en parlerai un peu tout à l'heure, ben c'est quelque chose qui peut donc arriver, ce qui est là. Là, c'était... Bon, j'enseigne aussi, je ne vous ai pas vu sur la première, mais je suis aussi responsable d'une formation qui est faite à Hanoï. Donc je vais régulièrement à Hanoï. Et donc le 23 octobre dernier, là j'ai pris une photo de... Là vous avez le lac, le petit lac au centre de la ville historique. Et ici, vous avez donc sur les fontaines à eau, l'an dernier, l'eau n'était plus potable. Donc il y a eu des problèmes. Le Vietnam, il y a beaucoup d'eau, normalement. L'an dernier, il y a eu des problèmes d'eau. Des quantités d'eau insuffisantes, il a fallu fermer des barrages hydrauliques. Voilà, parce qu'il n'y avait plus assez d'eau. Et là, c'est des problèmes de pollution dans les eaux, puisque les eaux, dans les eaux distribuées, les eaux potables, alors c'est déjà un problème d'avoir des eaux potables là-bas, pour avoir des eaux de très bonne qualité, mais vous avez ici donc ce problème qui a fait qu'il y avait toute une partie du quartier, un quartier de Hanoï où il n'y avait plus d'eau potable. Voilà. Après, ben, cette richesse de l'eau, vous l'avez, elle est répartie. Donc vous avez ici dans le monde, ça c'est la plus grande chute au monde, qui est donc entre l'Argentine et le Brésil. Ça c'était le 30 octobre 2005, il y avait 18 mm cubes par seconde. Et en octobre 2022, il y en avait 447 000 mètres cubes par seconde. Et ce n'est pas la valeur la plus élevée, il y en a une après qui est encore plus élevée que ça. Voilà. Ça vous donne des idées, des ordres de grandeur de ce qu'on peut avoir dans certains endroits. Et puis, ça c'était des... Peut-être que vous avez entendu parler, c'est en Afrique du Sud, vent de panique au Cap menacé d'être privé d'eau. Ensuite, ça c'était dans les années donc, 2018, il y a eu toute une série au Cap donc, de problèmes, qui est la capitale donc, de l'Afrique du Sud. Et vous avez toute cette crise qui se déclare, et vous avez ici donc 25 litres d'eau potable qui sont distribués par jour par personne. Voilà. Et ça, c'était pour tout le monde. Donc, quel que soit le niveau de vie des personnes. Donc, pour certaines personnes, c'était la même chose, mais pour d'autres, il a fallu passer de 300, 400, 500 litres d'eau par jour à 25. Voilà. Et puis, vous avez aussi, là c'était en 2019, dans le sud de l'Australie, voilà, donc, et là j'ai cité ici un documentaire, je ne sais pas si vous le connaissez. Vous le connaissez ? Si vous avez l'occasion, regardez-le. Moi, je l'ai découvert maintenant il y a 5 ans. Je l'ai utilisé en cours, je l'ai utilisé, voilà. Et c'était, donc, quand la guerre en aura soif, en 2050. C'était en 2050. Il y a eu, au mois de mars, une conférence à Toulouse, où une des personnes a dit, c'est plus 2050, c'est 2030. Donc si vous avez l'occasion, en fait c'est une histoire, c'est quelqu'un qui se promène, qui part de la source de la Garonne dans les Pyrénées, donc espagnole, au niveau du pic d'Aneto, et qui redescend, qui va jusqu'à la Gironde. Et il rencontre différentes personnes, il explique les problèmes d'eau, les problèmes de conflit que nous allons rencontrer entre l'agriculture, l'eau potable, l'industrie, et puis aussi, quand nous sommes dans la Garonne, n'oubliez pas qu'à Golfech, il y a des centrales nucléaires. Donc il y a deux réacteurs qu'il faut refroidir. Voilà. Donc il faut avoir suffisamment d'eau, et vous avez entendu en 2022, un petit peu en 2023 un peu moins, mais en 2022, il y avait deux problèmes qui étaient à Golfech. Il y avait à la fois la quantité d'eau,
Et la deuxième chose, c'était la corrosion sous contrainte que l'on avait dans les circuits de refroidissement et dans le circuit secondaire. Voilà. Donc du coup, on veut mettre des TGV, on veut mettre tout ça partout, on veut développer l'électricité avec du nucléaire, mais il faut pouvoir aussi refroidir les réacteurs. Voilà. Et s'il n'y a pas d'eau, il y aura un problème. Ça, c'est une autre image. Je change de pays, et là, je vais aux États-Unis. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Flint. Est-ce que vous connaissez Flint ? Flint, c'est une ville donc, dans le Michigan, qui est en fait aussi la ville où a été fondée General Motors. Voilà. Et donc, vous avez dans cette ville donc, la production des voitures, des camions. Et dans cette ville, aujourd'hui, l'eau n'est plus potable au robinet. Voilà. Ça fait des années que l'eau n'est plus potable. Vous avez des teneurs en plomb, en micro-organismes, en différents contaminants organiques qui font que l'eau n'est plus potable du tout. Donc c'est pour ça qu'elle est distribuée en bouteille. Et vous ne pouvez pas rester plus de 3 minutes pour prendre une douche. Sinon, vous avez des micro-organismes qui vont vous contaminer. Voilà. Donc c'est des choses qui sont... Et c'est aux États-Unis. C'est pas dans un pays en voie de développement. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience, et ce qui arrive là, c'est quelque chose qui peut nous arriver. Alors ici, bon, je me fais un peu de pub. Hein. J'ai apporté un livre, pardon, c'est celui-ci, c'est Chimie et Environnement, donc, que nous avons fait, qui est sorti il y a 10 ans maintenant. Un peu plus, même 11 ans aujourd'hui, et c'est un livre qui s'appelle Chimie et Environnement, qui est fait avec différents intervenants, donc il y a à la fois de la chimie, on termine par une partie qui concerne la partie sociologie, et tout ce qui est les controverses. Donc quand vous avez justement sur les problèmes de l'eau, de l'air, des déchets, etc., comment est-ce que vous allez gérer cela entre les différentes personnes qui vont participer à la vie de la cité. Voilà, donc ça c'est important de faire ça, et c'est un livre qui est destiné normalement aux étudiants, mais qui est un livre que vous pouvez lire aussi, hein, pas de souci, on l'a exprès fait en sorte que ça soit quelque chose qui soit lisible pour tout le monde. Ça c'est le premier, et le deuxième, donc, c'est ce livre donc, qui est Chimie des milieux aquatiques, donc, c'est qui est sorti il y a juste 10 ans, justement, c'était notre 5e édition. Là j'ai eu une réunion, lundi après-midi, pour discuter de la nouvelle édition, puisque nous allons travailler avec Laura et moi donc sur cette 6e édition, puisque Werner Stumm est décédé il y a juste 25 ans. Voilà. Donc c'est et là vous reconnaissez, je pense, ceci, c'est le canal de midi. Voilà. Juste pas très loin de la maison. Donc, et là j'ai mis quelques références pour des livres qui peuvent être intéressants à lire. Donc j'en ai mis certains, puis il y a Corse. Un livre qui est de 1978, alors pour certains d'entre vous, je pense que c'est un livre, et André Gorz, c'est quelqu'un qui peut vous parler. Il a été aussi journaliste au Nouvel Observateur. Et c'est un livre qui s'appelle Écologie et politique. Donc il a été écrit 4 ans après donc, la première candidature d'un écologiste, donc René Dumont, donc en 1974. Et c'est vraiment un livre qui est toujours d'actualité. Si vous le lisez, je peux vous dire que vous avez l'impression que ce que vous lisez, c'est valable aujourd'hui. Et d'autant plus qu'il y a des élections là dans 2 jours. Il y a plein de choses. Et je pense que beaucoup auraient eu nécessité de lire ce livre. Voilà. Oui, je fais attention. Merci. Voilà. Ensuite, donc vous avez ces livres. Et puis, j'ai rajouté celui-ci, Réenchanter l'eau, qui est un plaidoyer anthropologique, donc il vient de sortir, donc il est sorti au mois de mai. Et c'est sur aussi donc, tout ce qui nous concerne, là, cette fois-ci, sur la partie l'eau, depuis l'Antiquité et jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous avez, je voudrais dédicacer cette conférence à 2 personnes. Ça va être dur. Alors, vous avez... Werner Stumm, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est né il y a juste 100 ans et qui est décédé donc, il y a 25 ans, qui a été un des pionniers dans le domaine de la chimie appliquée à l'environnement. Voilà. Il a fait sa thèse à Zurich, il est parti ensuite, il était professeur à Harvard, il est revenu à Zurich et j'ai eu la chance de le côtoyer pendant 3 ans. Voilà.
et puis Guilain de Marcilly, qui est décédé le 21 avril cette année. Et ce monsieur, c'est le pape des eaux souterraines, au niveau mondial. Voilà. Donc c'était le monsieur, pour nous c'était la Bible, quand, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer juste avant de commencer ma thèse, et nous sommes devenus amis. Voilà. Donc c'est vraiment, là c'est deux personnes qui ont bousculé une partie de ma vie, ma sensibilité par rapport à l'environnement et à l'eau. Donc je vais vous parler de cycle de l'eau, et puis après de qualité de l'eau. Le cycle de l'eau, eh bien, j'aime bien montrer cette image. Vous la connaissez toutes et tous. C'est la Terre vue de l'espace. Mais ce que vous ne savez pas, ce qui peut vous surprendre, c'est cela. Voilà. Vous avez ici donc la Terre, et ce qui est représenté là en bleu, c'est le volume d'eau qui est dans tout ce qui représente la partie océanique, à l'échelle, à la même échelle. Donc ça permet de relativiser quand on vous dit il y a beaucoup d'eau sur Terre. Bien sûr, en volume, vous avez ça. Mais à l'échelle de la Terre, vous vous rendez compte que, ben, finalement, ça c'est la partie eau salée. Ce que vous avez ici, la deuxième petite boule ici, c'est l'eau que vous avez dans les sols sous-sols, c'est les eaux continentales. Non, pardon, les eaux cryogéniques, excusez-moi. Les eaux cryogéniques, c'est-à-dire dans les pôles et au niveau des glaciers. Et la petite, alors je ne sais pas si vous le voyez au fond, vous avez ici une troisième petite boule. Cette troisième petite boule, ce sont les eaux, cette fois-ci, dans les surfaces continentales. Et puis, je vous ai mis les chiffres ici. Eh bien, vous avez l'océan, cryosphère, les eaux continentales, c'est 0,62% des eaux. Et sur ces 0,62%, vous avez 0,61%, c'est ce qui est dans les eaux souterraines et les sols. Et ce que nous voyons s'écouler, l'Aude, etc., les rivières ou les fleuves, c'est seulement 0,02% de l'eau au total. Voilà, donc ça permet de vous dire, ben attention, il faut donc que je fasse attention à ce qu'est l'eau. Et il y a une deuxième chose qui est importante ici, dans l'eau, vous avez dans le manteau, où on considère aujourd'hui qu'il y a à peu près autant d'eau que celle-ci. Alors qu'est-ce que c'est que l'eau du manteau? C'est-à-dire que vous avez des minéraux qui contiennent de l'eau, qui sont hydratés. Voilà. Et donc si on comptabilise cette eau, eh bien on en trouverait autant. Ce sont des chercheurs japonais qui ont estimé ce chiffre. Voilà. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qu'on peut garder en tête. Et surtout, moi j'aime bien cette image des volumes, parce qu'on se rend compte tout de suite de ce que ça représente. Et là vous avez ce cycle de l'eau, donc rapidement brossé. Vous avez ce qui se passe au niveau des océans, avec l'évaporation au niveau des océans, qui vont retomber principalement au niveau des océans sous forme de précipitations. Et là vous avez une partie, donc il y en a à peu près donc 113 000 km³, qui vont ensuite arriver aussi au niveau des surfaces continentales, qui vont précipiter, et quand vous faites le bilan, la majeure partie de cette eau va s'évaporer ou s'évapotranspirer par les plantes. Et seulement la différence, c'est donc 48 000 km³, et sur ces 40 000 km³, vous en avez 28 000 km³ qui vont ruisseler. C'est donc tout ce que vous allez voir en eau de surface, ou en eau juste en subsurface. Et en dessous, vous allez ici avoir uniquement environ 12 000 km3 qui vont pouvoir contribuer à la recharge des nappes. Donc c'est un chiffre qui est à comparer à celui-ci, à tous les autres. Ça veut dire que ici, ben je vais revenir dans pas très longtemps, c'est le problème de quand vous pompez dans les eaux souterraines. Et là, vous avez les eaux souterraines. Alors, je ne sais pas si vous savez quels sont les types de nappes que l'on peut avoir. Vous avez trois types principaux de nappes. Vous avez, quand vous prenez l'Aude, vous prenez la Garonne, vous avez ce qu'on appelle une nappe qui s'écoule dans les alluvions de la rivière ou du fleuve. C'est ce qu'on appelle une nappe, un aquifère en milieu poreux. Voilà. Et puis vous avez le deuxième type d'aquifère, qui est très représenté dans la région Occitanie, c'est ce qu'on a dans les karsts, les systèmes karstiques, c'est-à-dire vous avez des roches calcaires, vous avez dissolution du calcaire lié aux acides, l'acide carbonique, donc le CO2,
et vous allez avoir des poches, des rivières souterraines qui vont être creusées par la dissolution des carbonates. Voilà. Vous en avez partout, hein. Je prends ici, là, vous en avez autour de Carcassonne, il y en a plein. Voilà. Donc ça c'est le deuxième type d'aquifère. Le premier, les alluvions, tout ce qui est en milieu poreux, c'est les principaux aquifères au niveau mondial. Après, il y a les karsts. Et le troisième, ce sont les aquifères dans des milieux fissurés. Donc dans des roches type granit, type des grès, etc. Et là, l'eau va s'écouler dans les fissures qui existent liées au séisme, etc., aux tensions dans la roche. Voilà. Voilà, c'est les trois types d'aquifères. Et dans la région, les trois sont représentés. Vous allez dans la montagne noire, vous avez aussi des systèmes avec des aquifères plutôt dans les milieux fissurés. Voilà. Donc ça, c'est les trois types. Ensuite, là j'ai représenté donc, l'exemple avec un milieu donc, poreux, donc le premier type. Et là, j'ai représenté ici trois types d'aquifères. Il y a l'aquifère au-dessus, vous avez la surface du sol, la topographie. Et donc cet aquifère va être rechargé directement par l'infiltration de l'eau des sols, qui va passer à travers la couche du sol ici, arriver dans le sous-sol et arriver donc à recharger la nappe. Et on appelle cet aquifère un aquifère à surface libre parce que la surface de l'eau correspond à la pression de l'eau dans le système. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, s'il y a des questions, je pourrais... Ça c'est la première chose. Vous avez cet aquifère. Ensuite, vous allez avoir un deuxième aquifère, ici, qui va être compris entre deux couches imperméables. Et cet aquifère B, si l'on met un puits, ce qu'on appelle ici un piézomètre, eh bien, le niveau de l'eau va être ici. C'est-à-dire que la pression dans cet aquifère sera ici. Largement au-dessus, ce qu'on appelle ici le toit de la nappe. Ce qui veut dire que la pression dans cet aquifère... la charge est supérieure à celle de l'aquifère A. Et si vous regardez l'aquifère C, vous aurez, cette fois-ci, la pression va être à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment l'aquifère B et l'aquifère C peuvent être rechargés? Eh bien, ils ne vont pas être rechargés par l'infiltration de l'eau ici. L'eau ne passera pas ces couches imperméables. Par contre, l'eau, la zone de recharge pour l'aquifère B est ici, la zone de recharge pour l'aquifère C est là. Donc l'eau ne pourra revenir ici. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que c'est quelque chose d'important que en fonction de la profondeur, vous avez différents types d'aquifères. Donc ça c'est ce qu'on appelle un aquifère à surface libre et là un aquifère captif. Maintenant, si là on a une zone où il peut y avoir des fuites parce que le système est moins perméable, est plus perméable. Comme la pression dans l'aquifère B est supérieure à la pression dans l'aquifère A, l'eau va remonter. Et la qualité de l'eau, ici, va changer par rapport à ce qu'il y avait en amont. Et là, idem pour l'aquifère C, la pression dans l'aquifère B est ici, l'aquifère C est là, donc du coup, l'eau va passer du haut vers le bas. Et l'eau, à nouveau, la composition de l'eau va changer entre ici et là, puisque vous aurez des entrées de l'eau, puisque chaque couche ici correspond à une couche géologique avec des compositions différentes. Donc s'il y a des compositions différentes, la qualité, la composition de l'eau sera différente. Voilà un petit peu. Ensuite, vous avez ici à droite la mer. Donc, vous avez ici l'infiltration de l'eau de mer. Et l'eau de mer, comme vous le savez, est plus lourde que l'eau douce. Et du coup, vous avez dans cette zone-là l'eau qui va pénétrer et ce qu'on appelle ici un biseau salé. Et qu'est-ce qui se passe si vous mettez des pompes pour avoir de l'eau potable ici ou pour faire de l'irrigation? Et bien du coup en pompant vous allez déplacer le biseau salé ici de la droite vers la gauche et vous allez augmenter la zone avec de l'eau salée et si vous pompez trop, vous allez pomper de l'eau salée. Voilà. Alors c'est ce qui se passe proche de la côte méditerranéenne dans les communes, aux Pyrénées orientales dans l'Aude, c'est ce qui se passe en Espagne. Si vous allez à Baléares, c'est un énorme problème. Donc vous avez une intrusion d'eau marine, qu'on appelle comme ça, qui fait que vous avez de l'eau salée, et donc il faut traiter les eaux ou changer les systèmes de traitement, de pompage, pour pouvoir limiter ceci. Alors je vous ai parlé tout à l'heure du Vietnam. Et bien, si vous allez au sud du Vietnam, dans le delta du Mekong,
vous avez différents problèmes qui sont identiques, plus compliqués, parce que vous avez aussi tous les barrages qui sont construits par les Chinois en amont, qui fait donc qu'il y a moins d'eau qui arrive. Vous avez le niveau de la mer qui monte, puisque lié au changement climatique. Et vous avez en même temps, dans la zone du sud, les pompages d'eau qui font que vous avez deux choses, le biseau salé qui se déplace, plus l'affaissement du sol lié au pompage. Donc c'est des choses qui sont importantes et qui ont des répercussions sur tout le problème de la qualité de l'eau et donc sur la composition des eaux et qu'est-ce que vous allez voir. Et après, je reviens aux mines de Post-Alsace. Ce qui s'est passé pendant une certaine période en Alsace, c'est que le fait qu'il y ait des concentrations en chlorure très importantes, parce que qu'est-ce qui a été dit? Donc vous n'avez pas le droit d'utiliser le chlorure de sodium. Qu'est-ce que vous faites? Vous créez un saumoduc. Qu'est-ce que c'est qu'un saumoduc? C'est une conduite qui permet d'emmener le chlorure de sodium dans le Rhin. Et à Strasbourg, non, je ne l'ai pas mis ici, mais vous aviez un pic de chlorure dans le Rhin, vous aviez la même chose au niveau des stations de pompage du polygone à Strasbourg, avec 9 semaines d'écart. Et qu'est-ce qui se passait quand vous avez ça? La même chose se faisait à Colmar, mais par les eaux souterraines. Eh bien, vous aviez de la corrosion dans les tuyaux, parce que vous avez trop de chlorure. Voilà. Et donc, vous avez les tuyaux qui se percent. Vous avez des fuites. Voilà. Donc, il y a plein de conséquences. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à Colmar? Ils ont approfondi. Bon, la nappe d'Alsace, c'est la plus grande d'Europe, avec la nappe du Rhin supérieur, entre l'Allemagne et le côté Bade-Württemberg et le côté alsacien. C'est la plus grande nappe d'eau souterraine d'Europe. Et donc, il a fait plus de 100 mètres de profondeur. Et donc, ils ont creusé plus profond pour éviter d'avoir ces problèmes-là. Voilà. Donc, ça, c'est, vous voyez, donc, l'illustration de ce qu'on peut rencontrer et ce qu'on va rencontrer de plus en plus. D'autant plus que, si vous regardez bien la population mondiale, où se trouve-t-elle? Elle se trouve à proximité des côtes. Voilà. Ah, j'ai un souci, tant pis. J'ai eu un souci avec eux en préparant ça. Donc, j'avais une question. Je vais revenir sur celle-ci, parce que vous n'avez pas eu le temps de lire. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous savez quelle est la vitesse de l'Aude? De l'eau dans l'Aude? Je dis bien la vitesse, hein, je ne parle pas du débit. Hein. Combien? Quand vous voulez. Ah, je parle en régime fluviatile, pas dans les régimes torrentiels, bien sûr. 5 km à l'heure? Ouais, c'est pas trop mal. C'est à peu près, vous comptez 1 mètre par seconde, donc ça fait 36 km à l'heure. C'est un ordre de grandeur. Hein. Voilà. Donc voilà ce que vous avez comme vitesse. Vous retenez ça. Quelle est la vitesse de l'eau souterraine dans la nappe qui va être en contact avec l'Aude? Voilà, c'est à peu près 1 mètre par jour. Par jour? D'accord? Donc 1 mètre par jour, ça veut dire quoi? Si vous comparez combien il y a de secondes par jour, il y en a 86 400, ça vous fait donc, dans l'Aude, en un jour, l'eau va parcourir à peu près 100 km. Dans la nappe, 1 mètre. Et quand il y a eu l'accident sans dose, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1986, donc à Bâle, eh bien, vous avez, je parlais tout à l'heure du puits du polygone à Strasbourg, vous avez toutes les communes qui étaient le long du Rhin côté français, les maires ont dit « Oh, il faut fermer l'eau du robinet !» Tout de suite, parce que les puits, parce que sinon on va pomper de l'eau qui est contaminée par les produits chimiques qui viennent de Sandoz. Ils étaient à minimum 500 mètres. Donc il fallait minimum 500 jours. Donc c'est pas la peine de fermer le robinet tout de suite. Hein. D'accord? Voilà. Donc c'est, retenez ces chiffres-là, à peu près 1 mètre par jour. Ici, dans l'aquifère B et dans l'aquifère C, ça peut être 1 mètre par an. Voilà. Donc c'est des ordres de grandeur, ce qui veut dire, parce que si c'est 1 mètre par jour, ça veut dire que c'est environ 400 mètres par an. Donc c'est pas quelque chose qui se déplace très vite. Voilà. Donc ça veut dire s'il y a une pollution, la pollution ne va pas se déplacer comme ça tout de suite.
Et ça veut dire que aujourd'hui, on voit dans les puits de pompage des eaux des polluants qui apparaissent, mais qui sont parfois liés à des pollutions qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et historiquement, c'est perdu. Parce qu'il n'y a pas eu de traces, il y a eu un accident, mais personne n'a vraiment noté. Et puis la mémoire des gens, voilà, c'est des choses qu'on oublie. Voilà. Donc c'est des choses qu'il faut bien garder en tête, ce sont des ordres de grandeur. Hein. Mais ça permet de relativiser entre les eaux de surface. Et après, le dernier point, c'est la vitesse de l'eau dans les sols. En moyenne, c'est à peu près 1 mètre par mois. Voilà. Donc, parce que c'est l'écoulement qui est vertical. Les couches géologiques, elles sont horizontales. Et donc, quand vous allez perpendiculairement, généralement, les écoulements se font plus lentement. Et du coup, alors je me suis amusé, alors j'avais changé ça, mais j'ai eu un problème avec en sauvegardant le fichier, donc parce que je voulais l'avoir plus gros. Et là, vous avez un calcul que j'ai fait, qui est juste très simple. Vous avez, quelle est la durée pour recharger une nappe phréatique après un pompage intense dans le cas d'un cube élémentaire, ce qui est à droite, voilà. Donc il faut connaître pour faire ça, il faut connaître le volume de pore, la masse etc., la porosité. Et je suppose que ce qu'on appelle le rabattement, c'est-à-dire la baisse de niveau, le niveau piézométrique, ici, la surface piézométrique, est 10 mètres. On abaisse de 10 mètres. Si je considère qu'il pleut 650 mm d'eau par an, eh bien, il y en a seulement 30% qui va contribuer à la recharge de la nappe. Parce que tout le reste va repartir en évapotranspiration ou faire de la biomasse avec la photosynthèse. Et du coup, eh bien, si je ne pompe pas, il me faudra 10 ans pour recharger la nappe. Alors ça, c'est quelque chose d'important, parce que quand j'entends dans les médias, quand je lis dans les médias qu'il a plu et qu'on a rechargé la nappe, voilà, on se moque de nous, exactement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas immédiat. Et j'ai pas eu le temps, je voudrais faire une vidéo avec ça. Vous montrer ça avec une expérience très simple, c'est avec le marc de café. Quand vous faites du café filtre. Quand vous faites du café filtre, vous faites passer à travers un milieu poreux de l'eau qui va percoler à travers votre grain, votre mou, et ensuite arriver et faire votre café. Et vous changez, vous broyez plus finement votre café, et vous verrez que la vitesse sera plus lente. Voilà. Et il vous faut quand même... C'est pas immédiat. Et quand vous faites un espresso, quand vous utilisez un espresso, eh bien, vous avez une pression énorme, de façon à ce que l'eau puisse passer à travers et percoler à travers votre capsule de Nespresso, pour avoir suffisamment de doses de café derrière. C'est pas quelque... Parce que vous avez un milieu poreux, eh bien, il va falloir exercer une pression pour que ça passe. Et si la pression n'est pas suffisante, ici, donc, la perte de charge, eh bien, vous n'aurez pas de passage de l'eau à travers votre milieu poreux. Et le café, pareil. Voilà. Bien. Alors, au niveau de la qualité, bon, ici, vous avez le cycle de l'eau. Vous retrouvez le cycle d'eau tout à l'heure. Mais cette fois-ci, donc, avec les collègues, c'était dans le cadre d'un projet européen, donc, nous avons rajouté aussi toutes les entrées. Donc de données avec la partie chimie. Donc l'eau va s'évaporer et ensuite va rencontrer tout ce qui est les nuages, la pluie, la poussière, les aérosols et les brouillards. Et donc va se charger en différents éléments. Ensuite, vous avez aussi les fumées d'usine. L'eau qui est ici, ben, vous avez des stations de traitement des eaux. Et du coup, l'eau qui va arriver en aval va être liée à ce qu'il y a, ce qui est rejeté par rapport à la station de traitement. Vous avez l'industrie, vous avez les fosses septiques qui posent un problème. Normalement, depuis la directive 4 sur l'eau, il y a des normes qui sont imposées. Ensuite, vous avez tout ce qui est problème de l'épandage de fertilisants, de pesticides. Vous avez les dépôts sauvages, vous avez les accidents. Il y a un accident célèbre justement aussi en Alsace, où il y a aussi un train, là cette fois-ci, dans le nord, et vous avez donc la pollution qui avait été négligée. La personne de l'État avait dit, de toute façon, c'était le tétrachlore de carbone, le tétrachlore de carbone étant volatile, tout va partir dans l'atmosphère, rien ne va s'infiltrer. Voilà,
Sauf qu'au bout de 20 ans, eh bien, tous les puits de pompage qui sont à 20, à 15 km, 10 km, pardon, sont aujourd'hui tous contaminés. Il n'est pas possible de boire l'eau. Voilà. Ça peut, mais dans le souterrain, ça ne gratte pas trop. Un petit peu, mais ça dépend des... Ça dépend. Voilà. Et ici, après, vous avez toute l'infiltration, le passage, bien sûr, dans les eaux souterraines. Et là, vous avez les puits de pompage et là, vous faites de l'eau potable. Voilà. Là, c'est pour les problèmes, donc l'évolution des températures. Donc là, c'était les données. Et puis les prévisions, donc on est en 2025, hein, 2024, donc on est à une période où on aura une période de plus en plus chaude. Donc les conséquences du réchauffement climatique sur le régime hydraulique, ben ça, quand j'avais écrit ça il y a quelques années, ben je ne me suis pas rendu compte que c'était maintenant ce qu'on rencontre. Voilà, c'était ce qui était prévu. Là, c'est accélération générale de la machine hydrique, bon, plus d'évaporation sur les océans, augmentation globale des précipitations, mais importantes variations régionales. Et ici, dans l'Aude, vous savez très bien que c'est même très compliqué de faire la prévision météo. Moi, je vois, bon, je suis, comme ça a été dit tout à l'heure, pour la vallée de l'Orbiel, il pleut dans la Clamousse, il pleut à l'ouest, mais dans l'Orbiel, il ne pleut pas. Voilà. Il suffit d'une fois pour que ça soit une catastrophe. Donc, c'est un gros problème de connaître ce qui va se passer. Incertitude sur les événements extrêmes. Et là, vous avez donc les variations donc, entre l'hiver dans le nord et l'été dans le sud, dans l'hémisphère sud, entre décembre, janvier, février, mars, avec ici, vous avez plus de précipitations, et là, vous avez moins de précipitations, quand c'est bleu, et inversement, donc là, vous avez au niveau de juin, juillet, août, septembre, donc été dans l'hémisphère nord, hiver dans l'hémisphère sud, et vous avez donc ces variations aussi, avec des zones où vous avez donc quand on prend le sud de toute cette zone-là où nous sommes concernés, hein, ici, l'Espagne, le Portugal, la zone méditerranéenne, où il y a moins de précipitations qui devraient arriver. Voilà. Bon, ça, je vais passer là-dessus. C'est les temps de séjour. Mais quelque chose qui est important, ce sont les notions. Ici, vous avez à gauche la notion d'eau prélevée et l'eau consommée. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Oui? L'eau prélevée, c'est vous pompez, vous utilisez l'eau, et parmi cette eau prélevée, une partie va être consommée, c'est-à-dire qu'elle va disparaître du cycle de l'eau. Temporairement, ça peut être plus ou moins long. Voilà. Et ce prélèvement, la principale source de prélèvement aujourd'hui, c'est l'agriculture. Puisque vous allez en fait prendre l'eau qui va être stockée, qui va passer par la photosynthèse, et donc vous allez avoir dans la biomasse. Donc quand vous faites un arbre, vous utilisez de l'eau. Et vous allez stocker de l'eau. Donc on stocke peut-être le CO2, mais il faut aussi penser qu'on va stocker du CO2. De l'eau, pardon. Voilà. Donc et les gens souvent l'oublient. D'accord? Donc construire, mettre des forêts, c'est bien, mais ça dépend où vous les faites. Parce que si c'est au détriment de l'eau, ben vous allez avoir des problèmes d'eau qui va disparaître directement du cycle d'eau. Donc ça, c'est l'eau consommée et l'eau prélevée. Et puis à droite, c'est quelque chose qui est... Bon, ça, je pense que vous connaissez. C'est le problème de tout ce qui est aussi l'extraction de tout ce qui est donc les matériaux transportés. Donc pour faire le béton, pour faire tout ça, les routes, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et aujourd'hui, donc on arrive dans des situations où vous avez entre 2 fois ou 4 fois le taux géologique dans les périodes qui nous concernent aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, l'Australie n'exporte plus de sable. Ça a été décidé il y a 1 ou 2 ans maintenant. Donc ils ont décidé de plus exporter, puisque le sable du désert ne permet pas de faire du béton. Voilà. Donc il faut des sables donc plus grossiers qui permettent de faire les bétons. Donc tous les pays du Golfe importent du sable pour construire. Voilà. Et ça, c'est un des gros problèmes. Donc aujourd'hui, notamment en France, il y a un projet d'aller chercher du sable dans le bassin, dans le plateau continental, à l'ouest de la Bretagne. En
changeant, donc toute la partie qui va avoir des impacts sur les poissons, etc., sur aussi les écoulements marins, et donc avoir une changement de bathymétrie. Et donc, vous savez qu'il y a des problèmes d'érosion sur les côtes, donc on peut avoir des risques de changement aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est un point qui est relativement important. Au niveau global, donc là, c'est les chiffres depuis 1900 à 2000, hein, on pourrait aller plus loin, c'est l'agriculture représente environ 60%. De tout ce qui est demande en eau. L'industrie, c'est environ 25. Et la partie domestique, nous, c'est à peu près 12%. 15. Prélèvement. Voilà, merci pour la précision. C'est prélèvement. Quelle est la consommation d'eau pour vous, par jour? Combien consommez-vous d'eau par jour? 33 litres par jour à la maison? Non, non. Ce que vous consommez, si vous regardez votre facture d'eau. Voilà, mais combien vous avez au niveau de votre facture d'eau? Vous n'avez jamais fait le calcul? Par personne et ramené par jour? 30 mètres cubes par an. 3 mètres cubes par an? 30 mètres cubes par an? Bon, ça fait donc combien par. Ça fait 100 mètres. Un peu moins de 100 litres par jour. Bon, généralement, en France, on est à 150 litres par jour, en moyenne, pour une personne. Tout, vous comptez tout, tout ce que vous consommez, tout ce que vous prélevez, utilisez, à la maison, je parle. Et après, vous avez, si vous êtes à Paris, on compte autour de 300 litres. Ça dépend du niveau de vie, etc. Le pays qui consomme le plus, là où il y a le plus de consommation par habitant, c'est pas les pays du Golfe, c'est le Canada. Pourquoi? Parce que dans une partie du Canada, et au Québec notamment, l'eau est gratuite. Pour l'instant, ils ont beaucoup d'eau. Mais donc il y a de l'eau, mais si vous utilisez beaucoup d'eau, c'est-à-dire que vous allez la salir. Donc vous allez rejeter de l'eau qui est sale, il va la traiter. Donc c'est un coût. Donc il faut aussi intégrer cela. Voilà. L'eau potable, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez Ah, bien, alors ça on pourra en discuter à la fin, si vous voulez. On reviendra là-dessus parce que c'est un problème très important et je vous dirai pourquoi, quels sont les problèmes qui vont avec. Oui, vous voulez? Regardez le tableau précédent. Oui. Où vous parlez de la consommation dans l'agriculture. Oui. Je voulais savoir si vous, dans votre tableau, vous tenez compte du métallage qui se développe à la vitesse grand V, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, dont je suis, qui récupère l'eau d'hiver, la stocke, et donc ça fait autant de consommation d'eau à moins. Alors est-ce que... Non, je ne suis pas d'accord. Mais non. C'est pas l'eau du robinet, Ici, c'est pas l'eau du robinet. C'est l'eau qui est consommée, que vous utilisez pour produire les végétaux. Et que vous stockiez l'eau dans l'hiver ou à n'importe quand, c'est l'eau dont vous aurez besoin pour que la photosynthèse puisse fonctionner si vous faites des plantes. C'est dans ce sens-là. Donc vous stockiez à un moment ou à un autre, cette eau-là, vous en avez besoin pour la plante. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est très bien de stocker à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que c'est de l'eau, cette eau-là, vous en avez besoin. Et globalement, c'est environ 60%, 65% de l'eau. Après, vous pouvez la stocker à un autre moment, mais cette eau-là, de toute façon, c'est pas de l'eau potable, hein, non, non. Vous stockez de l'eau de pluie, vous stockez de l'eau de pluie, ou vous faites un barrage, une retenue collinaire, mais là, ça, c'est une autre problématique. Oui, voilà. Oui. Non, c'est pas négligeable, je suis d'accord. Voilà. Mais c'est de l'eau qui ne va par contre pas dans la rivière. Voilà. Et l'eau, normalement, est un bien commun.
Je n'ai pas dit ça. Non, non. Si l'on prend le droit de l'eau en France par rapport au droit de l'eau aux États-Unis, par exemple, c'est très différent. Le droit de l'eau en France, historiquement, il est issu du système royal. Voilà. Aux États-Unis, quand vous avez une source, vous êtes propriétaire de la source. Voilà. Et vous pouvez acheter les sources. Ce qui s'est passé, par exemple, Nestlé a acheté des sources en Californie, et les gens n'ont même plus d'eau pour la commune. Voilà. En France, vous ne pourriez pas faire ça. Puisque ce qui est dans le souterrain n'appartient pas, ne vous appartient pas. Et non. Même pour les mines. Vous. Ben, on... Voilà, donc là vous avez ici les populations, l'agriculture, l'industrie, le domestique. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, vous allez. Voilà. Alors en France, il y a une particularité, c'est qu'en France, vous avez les centrales nucléaires. Et les centrales nucléaires, en fait, il y a 60% de la ressource en eau qui est utilisée pour refroidir. Voilà, donc par rapport à l'agriculture, ce que je disais tout à l'heure, donc vous voyez, vous avez aussi cette partie-là à prendre en compte. Ah bah, non, il y a une partie qui s'évapore. Mais après, vous la renvoyez, elle est chaude. Voilà. Et depuis qu'ils ont changé les canalisations, tout ce qui est le circuit, dans le circuit tertiaire des tours d'aérofrigération, ils sont passés donc de système où on a retiré le cuivre, on l'a remplacé par de l'inox, et bien vous avez donc les amibes qui se développent dans les eaux. Voilà. Donc là, j'ai repris des chiffres, hein, voilà, pour les... Vous avez ça. Après, des chiffres qui peuvent qui marquent, hein, qui frappent, c'est les eaux et production agricole. Donc pour le blé céréales C3, on estime qu'il faut environ 1000 m3 d'eau par tonne de blé. Pour le maïs et les céréales en C4, c'est environ 700 m3 d'eau. Pardon ? Exactement. Voilà. Ici, pour le blé, vous êtes à la période où il y a le maximum de précipitations. Donc c'est bon. Vous avez le blé d'hiver, le blé de printemps. Donc vous avez la période où il pleut plus, alors que le maïs, vous allez semer si vous pouvez, si vous pouvez rentrer dans les champs. Cette année, c'était un peu compliqué, au mois de mai. Donc, et là, vous avez 700 m3 par tonne. Vous avez besoin de moins d'eau, mais vous avez besoin de maximum d'eau en été, donc quand il pleut le moins. Voilà. Non, non, c'est la quantité d'eau qu'il faut. Et là, vous avez la partie, le bœuf avec il faut. Là, vous intégrez toute l'eau, hein, les céréales, enfin tout ce qui est production. Et donc, ça vous faut pour une tonne de. Pour un gros bœuf, hein, il vous faut 13 000 m3. Il y a l'herbe, les céréales, il y a tout ce que vous avez qui est produit, tous les produits que vous allez donner à l'animal. Alors on n'a pas rajouté pour l'homme, hein, ce que ça représentait. Bon, ça serait intéressant de le faire. Pour produire. Voilà. Ici, j'ai repris cette. Pour deux raisons. C'est l'agriculture marocaine assoiffe le pays. Donc c'est un des gros problèmes aujourd'hui. Et donc c'est un article du Monde, là, qui est déjà de 2022, et puis là vous avez la sécheresse au Maroc, plus rien ne pousse ici, ça c'était au mois de février cette année, et ce que je voudrais introduire ici, c'est la notion d'eau virtuelle. Alors qu'est-ce que c'est que l'eau virtuelle? Eh bien c'est le fait que quand vous achetez un melon, je prends l'exemple du melon parce que c'était le cas il n'y a pas très longtemps, on peut encore en trouver dans les grandes surfaces, vous achetez un melon qui vient du Maroc. Quand vous achetez un melon qui vient du Maroc, ça veut dire que vous allez consommer de l'eau qui vient du Maroc. Voilà. Et donc c'est de l'eau qui n'est pas visible et qui va être transportée et qui va se faire au détriment de ce qu'il y a au niveau du Maroc. Voilà. Alors, ce que je dis là pour le Maroc, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Espagne. Voilà. Aujourd'hui, vous achetez des oranges toute l'année, vous achetez là les fraises, tout ça, et il faut savoir que même si c'est bio, je vais aller visiter des choses, ils peuvent avoir des sols où ils arrêtent les intrants depuis 5 ans, au moins, mais les eaux souterraines sont tellement contaminées
qu'il y a suffisamment de pesticides, suffisamment de nitrates dans les eaux souterraines pour mettre dessus. Voilà. Quand ils pompent, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà. J'étais à Valencia, je discutais avec un collègue, il m'a dit, dans l'eau potable, on a le tableau périodique des éléments. Voilà. Donc ça, c'est une notion d'eau virtuelle. Et tout à l'heure, vous avez vu les puits qu'on pouvait avoir pour atteindre les nappes phréatiques. Et aujourd'hui, vous avez au Maroc des gens qui pompent, et qui, ce sont les enfants qui vont creuser les puits, et ils descendent à 10 mètres, voire 20 mètres, pour avoir de l'eau. Et il y en a une partie de ces enfants qui meurent parce qu'ils sont asphyxiés, il n'y a plus d'oxygène. Exactement, d'où les méga-bassines. Donc vous avez ici, vous avez parlé de Volvic tout à l'heure, donc vous avez ici le partage des eaux, donc vous avez ici cet exemple donc, de ce qui se passe actuellement à Volvic. Volvic, donc il y a deux usines de pompage d'eau, il y a l'ancienne usine qui sert à faire la Volvic aromatisée, et puis vous avez l'autre usine Volvic qui est celle que vous trouvez dans les eaux embouteillées. Voilà, l'eau. Donc si vous regardez d'ailleurs, la composition par exemple en calcium n'est pas la même. Avant vous aviez 10 mg par litre, maintenant vous êtes à 12, parce qu'on ne pompe pas dans les mêmes aquifères. Donc, et ce qui se passe, c'est que à force de pomper, et quand il n'y a pas suffisamment de recharge de nappe, si vous pompez plus que ce qui peut être rechargé, eh bien vous allez appauvrir. C'est ce qui se passe. Et là, c'est l'exemple de cette personne qui a une ferme piscicole, et dans cette ferme piscicole, il n'y a plus assez d'eau pour que les poissons puissent vivre. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, en 2022 et 2023, donc il y a certaines communes qui ont arrêté la construction de pavillons parce qu'ils ne pouvaient plus distribuer d'eau potable aux futures maisons. Voilà. Donc c'est quelque chose. Alors il y a une thèse qui a été faite là-dessus, qui date à peu près une dizaine d'années maintenant. J'ai voulu y accéder, elle est sous embargo, donc elle n'est pas accessible. Voilà, c'était les calculs de prévision des pompages liés à l'usine Volvic. Alors Volvic appartient au groupe Danone. Voilà. Et moi je vous invite à regarder, si vous avez l'occasion, c'est ce documentaire qui est La Grande Soif des multinationales. Et ce documentaire, vous avez trois exemples. Vous retrouvez Volvic. Vous trouvez Vittel. Alors, quels sont est-ce que vous connaissez les trois principales compagnies de eau embouteillée, les trois premières au niveau multinational? La première, c'est Nestlé, oui. La deuxième? Non, Evian, ça appartient au groupe Danone. Donc, Vittel, c'est Nestlé. C'est Coca-Cola, la deuxième. Et la troisième? Non, McDo, c'est... Ils achètent. Troisième, c'est Pepsi-Cola. Voilà, donc les trois principales compagnies qui vendent de l'eau embouteillée, les entreprises multinationales, sont donc Nestlé, Coca-Cola, puis Pepsi-Cola. Et dans ce film, donc vous avez une partie sur Volvic, le cas que j'ai évoqué juste avant. Vous avez une deuxième partie qui est sur Vittel. Donc Vittel, à Vittel, vous avez le siège de Nestlé Waters. Et ils ont un laboratoire qui analyse toutes les eaux du groupe Nestlé du monde entier. Que ce soit en Europe, en Asie, etc. Voilà. Et ensuite, le troisième cas qui est évoqué dans ce documentaire, c'est le groupe Coca-Cola en Allemagne. Avec les problèmes que pose, donc il y a des surpompages qui font qu'il y a des zones autour de cette communauté de communes en Allemagne, il y a des problèmes de quantité d'eau disponible pour le potable, pour les autres personnes. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui permet de réfléchir, et il y a eu d'ailleurs suite à ce documentaire donc au niveau parlementaire, il y a eu des choses qui ont été décidées. Ensuite, ben ça, je pense que vous le connaissez peut-être, parce que c'est chez vous. Vous l'avez vu ?
Voilà, donc c'est sorti cette semaine. Voilà, donc l'eau de l'eau dans tous ses états. Et c'est sorti, donc, c'était quand mardi lundi, pardon. Lundi. Voilà, et donc, vous avez, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, parce que ça vous permet d'avoir des informations à la fois sur la consommation d'eau dans ce département, et puis la quantité d'eau qu'il peut y avoir, notamment quand vous êtes proche de la Méditerranée, parce que je travaille avec les gens de l'INRAE à la CLAP, et l'an dernier, quand j'y suis allé, il était tombé 140 mm d'eau en un an, donc 40 mm d'eau la semaine précédente. Voilà. Donc l'eau, c'était de l'eau... donc s'il pose un problème, c'est quand même la CLAP, vous avez Narbonne Plage juste à côté, et vous avez tout un problème de combien d'eau peuvent être distribuées ensuite. Voilà. Donc d'où la politique aujourd'hui régionale, qui est de dire, on va réutiliser de l'eau. Et vous avez certaines rivières aujourd'hui où l'alimentation de la rivière se fait principalement par les stations d'épuration. Ce qui va donc poser un problème sur la qualité de l'eau. Parce que avant, quand une station d'épuration rejette dans la rivière, on peut donc diluer. Et là, on n'a plus la possibilité de diluer. Il n'y a pas d'autre eau. Donc ça veut dire qu'il va falloir, il faut donc modifier le traitement de l'eau. Alors je connais bien le président du conseil scientifique de l'agence Haute-Garonne, ici on est dans l'autre, on est Rameuse, on est c'est donc Rhône, Méditerranée-Corse, et donc, mais c'est maintenant, depuis 2022, il y a la question de savoir comment intégrer le changement climatique pour cette période-là, et pour avoir de l'eau de qualité dans les rivières, puisqu'il vous faut, dans les rivières, avoir une eau de bonne qualité. À la fois chimique, physico-chimique, mais aussi biologique. Voilà. Et donc, comment assurer cette qualité? Alors, moi je me souviens d'avoir ayant visité la station d'épuration à Toulouse, où les gens à la station disaient « Bon, c'est pas trop grave si ça ne fonctionne pas, voilà, parce que on va diluer. » Mais si vous êtes en été, et le flux qui va arriver de la station d'épuration devient conséquent par rapport au flux dans la rivière, eh bien vous allez avoir des modifications importantes de qualité de l'eau et donc de tout l'écosystème au niveau de la rivière. Et là, donc, l'eau source de conflit dans le marais Poitevin, vous retrouvez les problèmes, donc tout ce qui est stockage de l'eau. Vous avez parlé donc tout à l'heure du maïs, hein, puisque en fait on a une modification. Puis surtout, ce qui est important ici, c'est de bien prendre conscience de la parole de l'État. Donc, pardon, j'ai l'air. Voilà, donc vous avez ici, ce qui est là, c'est le rapport sur lequel Bérangère Couillard s'appuie, utilise des données de 2000 à 2011. On est en 2023, 2024. Si vous voulez faire des calculs exacts avec tout ce qui est problème de nappe, ce n'est pas les données d'il y a 10 ans ou 20 ans. Voilà. Donc ça, c'est un gros problème, c'est d'avoir des données réelles, et puis d'avoir des données où il n'y a pas de biais dans ce qu'il y a. Moi, je connais, je vis suffisamment la problématique dans la vallée de l'Orbiel pour savoir que des biais, on en fait sans problème. Voilà. Donc, les enjeux démographiques, c'est un des points vraiment importants, c'est 8 milliards d'êtres humains donc aujourd'hui, et on estime donc qu'il y a environ 2 milliards de personnes sous-alimentées en 2024 pour l'eau. Oui, en eau. Hein. Donc, et là, donc vous avez les chiffres en diminution donc durant 50 ans jusqu'au début des années 2010, et en augmentation aujourd'hui de la production plus rapide que la consommation, même version de la tendance depuis 3-4 ans. Voilà. Donc là, c'est des gros problèmes avec les surfaces et combien d'eau on pourrait utiliser pour l'agriculture pour produire des aliments, et pas de l'énergie, de la biomasse pour faire de l'électricité ou autre chose. Ou refroidir les centrales, mais là, l'eau retourne directement. Quand on fait de la biomasse, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, en 2050, on estime qu'il y a 9 milliards d'êtres humains, soit environ 70 millions de plus par an, et pour les nourrir, ça veut dire éradiquer la malnutrition actuelle de 1 milliard d'êtres humains, nécessite d'utiliser en plus environ 4500 km3 par an, mais il y a les habitudes alimentaires, et comment faire? Nous, les premiers. Voilà. Puis en plus, on exporte aussi, entre guillemets, notre façon de vivre. Voilà, je me souviens très bien d'articles de l'INRA, à un moment, qui était très content de dire on a pu faire des fermes équivalentes aux nôtres en Chine, par exemple, ou dans d'autres pays. Voilà, donc qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est une victoire
ou est-ce que c'est... voilà. Donc il y a tous ces aspects-là à prendre en compte. Ensuite, répartition de l'eau. Donc eau à l'origine de l'érosion des sols et des montagnes, phénomène souvent oublié dans nos régions. Et ici, dans la région, quand il pleut, je reviens toujours à l'Orbière, hein, quand vous avez une grande crue, ben vous avez toute la partie d'exsiviation, le départ des particules et tout ce qui va arriver dans l'Orbiel sous la forme de particules de sédiments. Voilà. Et donc ici, ici la pente n'est pas trop importante, mais quand vous allez du côté de Collioure, vous allez là, vous avez des pentes qui sont comme ça. Si vous ne faites pas attention au ravinement, ben vous allez entraîner votre sol et puis vous allez devoir le remonter. Donc cas des orages. Ensuite, nécessité de l'eau pour recharger les nappes par infiltration. Et là, c'est l'exemple du Rhin de Bâle à Strasbourg. Alors c'est un exemple que je trouve très parlant, très amusant, entre guillemets. C'est la non-prise de conscience du problème de canalisation des rivières. Quand vous prenez, c'était Roland Carbonnière qui a fait ça, dans les années 1960-1980, il a fait une étude bibliographique, il est remonté au 19e siècle. Le Rhin, à l'époque, était sauvage. Alors, contrairement à l'image qu'ont beaucoup de gens, le fleuve le plus maîtrisé en France, c'est la Loire. Historiquement. Oui. Ça peut surprendre. Mais c'est un fleuve qui a été maîtrisé déjà à l'époque des Romains. Et ensuite, dès la Révolution française, donc à la fin du 18e, début du 19e, il y a eu toutes les digues napoléoniennes qui ont été mises pour éviter les inondations. C'est un fleuve très capricieux puisqu'il a à la fois un régime méditerranéen, n'oubliez pas où la Loire prend sa source, on est en régime méditerranéen, et puis ensuite vous avez toute l'autre partie qui est donc en régime plutôt continental. Voilà. Et donc, c'est un des fleuves qui a été canalisé ou maîtrisé le plus rapidement, très rapidement dans le temps, alors que d'autres fleuves comme le Rhin ont été maîtrisés, canalisés qu'à partir du 19e siècle. Et la Garonne, c'est à peu près pareil. Voilà. Et vous avez encore des zones d'extension. Pour la Loire, vous en avez, mais il faut aller au-delà d'Angers. À partir de vous êtes au-delà d'Angers, vous verrez que vous avez toute une zone d'expansion de la Loire qui se fait. Et ça, c'était calculé. Il y a quand même des digues, mais elles sont beaucoup plus loin par rapport à ce qui est. Voilà. Donc, vous avez cette canalisation du Rhin. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on canalise une rivière? On augmente la vitesse. On a le même débit, mais comme le lait est plus. Et moins large, donc on va avoir une vitesse qui va augmenter. Et donc on va creuser. Et si on creuse, eh bien, la conséquence, c'est que vous avez la nappe qui va baisser à côté. Et quand on regarde les cartes du 19e siècle, à Strasbourg par exemple, il n'y avait pas de différence entre l'Ille, qui passe dans la ville de Strasbourg, et le Rhin, qui est plus à l'est. La zone où il y a le campus universitaire, notamment, eh bien, c'était des zones qui étaient inondables. Et quand il y avait de l'eau, et bien entre l'Ille et le Rhin, il n'y avait pratiquement pas de différence. Voilà. Et quand on a canalisé, donc on abaisse la nappe, et quelle est la conséquence? Ce qui a été observé, c'est ce que vous avez, pour certains qui se souviennent, c'est ce qui s'est passé pour le pont de Tours en 1976. Qu'est-ce qui s'est passé en 1976? La sécheresse, liée justement aussi à l'extraction des granulats et du sable dans la Loire. Donc du coup, il y a eu des affouillements, et au niveau du pont de pierre à Tours, eh bien, il n'y avait plus assez d'eau, et les pieux qui sont en chêne ont pourri. Et il y a une partie du pont qui est tombée. Pour la cathédrale de Strasbourg, pendant la période prussienne, il s'est passé la même chose. Donc le Rhin baisse, la nappe baisse, et du coup, vous avez les pieux en bois. Donc, qui soutiennent la cathédrale, commencent à pourrir. Et il y avait, à l'université de Strasbourg, il y avait quelqu'un qui observait, qui avait mis un système de mesure géodésique, et il a vu que la flèche commençait à pencher. Et donc, il a remplacé par des puits en béton. Voilà. Et c'est une des raisons pour laquelle, à Strasbourg, il n'y a qu'une seule flèche. Il n'y a pas deux flèches, parce qu'au niveau du sous-sol,
le soutènement ne permet pas d'avoir deux flèches. C'était trop lourd. Et tout est construit dans cette zone-là. Si c'est bien construit, c'est construit sur pilotis. Voilà. Même dans les zones où... donc des pieux qui descendent assez bas pour arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas de souci. Donc ça, c'est un problème de cela. Il y a le même problème dans les Landes, hein, je ne vais pas là. Et après, vous avez donc l'inégalité de la répartition de l'eau sur la Terre, accessibilité et qualité à l'origine des conflits. Je suis désolé, on est aujourd'hui le 7 juin, il y a 8 mois, il y a eu un conflit. Depuis 8 mois, il y a un conflit. Et une partie du conflit est liée aussi au problème de l'accessibilité à l'eau. Voilà. Savez-vous combien avait un Palestinien de Gaza comme quantité d'eau par jour avant le conflit? Entre 3 et 5 litres par jour. Pour tout faire. Boire, manger, se laver, etc. Voilà. Donc cette eau est produite par l'usine de dessalement d'eau de mer qui est en Israël et qui fournit donc de l'eau à la population de Gaza. Voilà. Donc c'est le problème. Et beaucoup de conflits, en fait, on n'en parle pas, on va dire c'est des problèmes religieux, on va dire c'est des problèmes politiques. Souvent, il y a l'eau qui est en fait l'élément moteur. Et il y en aura de plus en plus. Et la migration est souvent liée au fait qu'il n'y a pas d'eau. Donc les populations se déplacent. Vous avez ici une carte grossière hein, qui représente à peu près les quantités d'eau réparties au niveau mondial. Après, ça c'est les eaux de surface, oui. Ensuite, agriculture irriguée, donc actuellement 264 millions de hectares. Et là, par rapport à la population mondiale, ce que je voulais expliquer ici, c'est qu'en fait, on est très, très insuffisant par rapport aux 4500 km3 d'eau par an nécessaire. Et surtout, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on considère que par habitant, il faut 500 km3 d'eau par an. Par individu. Voilà. Donc j'ai terminé sur cette partie-là. Je vais parler plutôt de qualité. Donc, je vais parler un peu longtemps, là. Oui. Juste introduire et puis je m'arrêterai et après on pourra ouvrir la discussion. Et vous venez de parler de la dessalement. Oui, dessalement de mer, oui. Il faut produire, il faut de l'énergie. Et ça produit du sel, merci. Donc, et vous allez, on n'est pas très loin de Barcelone, hein. D'accord. À Barcelone, il y a une usine de dessalement d'eau de mer qui fonctionne depuis un moment déjà. Puisqu'avant, comme ce qui s'est passé l'année dernière, l'eau venait du Rhône. Il y avait des bateaux qui emmenaient l'eau du Rhône pour alimenter la ville de Barcelone. Ce qui s'est passé à nouveau l'an dernier, puisqu'il y avait un problème. Et ils ont construit à côté une centrale nucléaire pour produire l'électricité, pour faire fonctionner l'usine de dessalement. En Australie, quand Veolia a voulu construire à Sydney une usine de dessalement d'eau de mer, ils n'avaient pas pensé qu'il fallait de l'énergie. Voilà. Donc il faut de l'énergie, il faut de l'électricité, et donc d'où vient l'électricité? Donc on tourne en rond. Hein. Voilà. Donc le meilleur moyen, c'est de moins consommer. Déjà. Voilà. N'oubliez pas que quand vous buvez du vin, il y a 80% d'eau, hein, 86% d'eau. Hein. Et la bière, c'est pire. Puisqu'il faut à peu près, pour un litre de bière, vous utilisez entre 4 et 5 litres. Il y a maintenant des brasseries qui permettent de descendre, qui consomment moins, mais c'est un litre. Pour un litre de bière, c'est 4 à 5 litres d'eau. Voilà. Pardon ? Je pense que c'est plus que ça. Je n'ai pas parlé du houblon, là. D'accord. Mais c'est pareil dans le vin, je n'ai pas parlé de l'eau qu'il faut. Je parle quand vous prenez votre bouteille. Hein. Vous avez raison. Ensuite, dans la directive 4 sur l'eau, donc ça c'est quelque chose qui est important et justement ça va revenir à votre question, à votre remarque tout à l'heure. Dans cette directive 4 sur l'eau qui a été mise en place en 2000, j'ai vu ça, eh bien l'objectif c'était d'obtenir la bonne qualité écologique mais également physico-chimique ou chimique.
Et ça, c'était la première fois au monde où on mettait en place cette notion de bonne qualité écologique. Et j'allais de temps en temps à Bruxelles, on discutait de ça, et en fait, c'était quelque chose, les hommes politiques avaient décidé ça, mais ils ne savaient pas ce qu'il y avait derrière. Donc il a fallu définir ce que c'était que la bonne qualité écologique. Et alors, je peux vous dire qu'il y a eu des débats très importants pour arriver à savoir ce que c'est. Puis maintenant, il y a le débit minimum que débit réservé que vous devez avoir dans une rivière pour être sûr que les poissons et tout ce qui est les êtres vivants dans la rivière puissent avoir suffisamment d'eau pour vivre. Voilà. Mais ça a été quand même quelque chose de compliqué. Et ensuite, il y a les problèmes de répandre. Bon, la partie chimique, c'est simple, si vous regardez la concentration. Mais en fait, c'est même stupide, la concentration. Oui. C'est facile à mesurer. Mais ce qu'il faut... Ce n'est pas uniquement la concentration, ce qu'il faut naître, c'est les flux. Et qu'est-ce que c'est qu'un flux? C'est la concentration multipliée par le débit. Concentration multipliée par le débit. Alors je prends l'exemple de ce qu'on a vécu à l'Orbiel. Quand il y a le cru 2018, si je suis à Conques-sur-Orbiel, la concentration dans l'Orbiel, on va estimer qu'elle était avant à 20 microgrammes par litre. D'accord? 20 microgrammes par litre. Vous avez un débit de 1 mètre cube par seconde. Le débit à Conques est passé de 1 à environ 400 mètres cubes par seconde dans les 4 heures. D'accord? La concentration en arsenic, elle a baissé seulement d'un facteur 2. Donc elle est passée de 20 à 10. Alors elle était dit. Et les gens nous ont dit, oh, il y a eu la dilution. Sauf que si je fais le calcul, 1 fois 20 et 10 fois 400, c'est pas la même chose. Donc quand je calcule en flux, eh bien je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'arsenic qui va être transporté par unité de temps que dans le cas où j'ai un débit faible. Donc c'est ça cette notion de flux. Donc la concentration, c'est quelque chose qui peut être trompeur. Voilà, il faut à la fois les deux informations. Le flux, le débit, enfin la concentration, mais aussi le flux, donc en tenant compte du débit. Voilà. Donc ça, d'un point de vue chimique, c'est relativement simple. Parce qu'on peut faire des mesures, etc. Même si c'est pas si simple que ça. Puis j'ai appris des choses il y a 15 jours, je peux vous dire que j'en étais baba. Ensuite, les substances considérées comme les plus dangereuses. Et donc, au départ, l'objectif de qualité, c'était 2015. On est en 2024. Voilà. Et je peux vous dire que la France paie beaucoup de pénalités pour ne pas respecter certaines concentrations, notamment les nitrates. On estime que c'est à peu près 1 milliard d'euros par an. Quand on veut faire des économies, là, pour Monsieur le maire, hein, d'accord? Il y en a un autre, hein. Bon, je ne vais pas me fâcher avec les chasseurs ici, hein. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous payez votre facture d'eau, vous financez les chasseurs. Depuis 2017. Il y a une redevance qui est redonnée ensuite aux chasseurs pour surveiller l'environnement. Et ensuite, il ne faut pas l'oublier que quand il y a la chasse à la glu et que tout cela, il y a des pénalités. Et on estime que c'est à peu près 1 milliard d'euros aussi. Hein. Donc vous voyez les milliards d'euros là dont on parle, plutôt d'aller chercher chez les gens qui sont dans le besoin, mais il y a d'autres endroits où on pourrait les chercher. Bien, donc j'avais dit que je voulais m'arrêter. Je vais m'arrêter là si vous voulez. Mais je peux continuer. Pardon? Bon, donc vous avez les trois propriétés fondamentales de l'eau, c'est le solvant. Donc en dissolution et présence de composés minéraux dans l'eau en équilibre avec le substratum, c'est pour ça que je regardais la composition de l'eau tout à l'heure, c'est un réflexe. Réactif, réaction chimique avec d'autres composés chimiques, en plus c'est de l'eau qui vient du Loiret. C'est pas très près d'ici, hein, c'est le 45 hein, et de la forêt d'Orléans. Ensuite, vecteur, transport des composés chimiques présents dans l'eau. Voilà. Donc ici, c'est les sols, les rivières, les sous-souterraines, mais c'est aussi nous. Le sang, c'est ça. Vous allez transporter dans le sang. Ça, le sang, vous aurez l'effet solvant, l'effet réactif, et puis cet effet vecteur. Voilà. Et si vous voulez comprendre la composition des eaux,
Eh bien, vous avez cet équilibre physico-chimique ici, donc de manière globale. Vous avez les roches éruptives, plus les substances volatiles, qui sont en équilibre avec l'atmosphère, l'eau de mer et les sédiments. Et vous avez les roches, donc vous êtes ici, hein, vous en savez plus que moi, sur les silicates, les oxydes, les carbonates. Ensuite, les substances volatiles, donc on trouve l'eau, le CO2, l'azote. Ici, le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre, et puis le méthane. Ensuite, vous avez l'atmosphère, avec 21% d'oxygène, les 79% d'azote, et puis un peu de CO2. Et ça, cette partie-là, c'est une particularité que nous avons sur notre planète, qui est liée à la photosynthèse. Et vous avez donc l'eau de mer qui a un pH environ de 8, légèrement supérieur à 8. Donc c'est un pH qui est au-dessus de la neutralité. Et vous avez surtout cette valeur-là qui est un potentiel d'oxyde de réduction qui est très élevé. Toutes les planètes sont en milieu réducteur. Et c'est le cas de la Terre. Quel est le rayon de la Terre? Environ 6000. Ça dépend, entre 6500, on va prendre 6500 km. Ouais. Quelle est l'épaisseur de la couche où il y a de l'oxygène? 1 km? 10 km. Donc 10 km par rapport aux 6500. Vous voyez que c'est pas beaucoup. Donc il n'y a que sur cette zone-là où vous avez de l'oxygène. Après, il n'y en a plus. Et c'est la particularité. Pourquoi vous avez l'oxygène? Parce que vous avez la photosynthèse. Et ça va avoir des conséquences, notamment sur les réducteurs, et nous en bénéficions, puisque nous avons l'énergie, parce que nous consommons la biomasse, qui est donc la matière organique, qui est réductrice. Et de l'autre côté, lors de la photosynthèse, on produit un déchet de la réaction, je dis bien un déchet de la réaction, qui est l'oxygène. Donc au niveau de la qualité de l'eau, quand vous regardez la composition d'une eau, qu'est-ce que vous avez? Vous avez du calcium. Donc d'où vient le calcium? Eh bien, il vient du calcaire, des carbonates. Vous avez ici, carbonate de calcium. Vous avez l'hydrogène carbonate que vous retrouvez dans l'eau. Ensuite, si vous avez du sulfate, eh bien, ça viendra majoritairement du gypse. Si vous prenez l'eau de Vittel, puisque vous avez parlé de l'eau de Vittel tout à l'heure, il y a beaucoup de sulfate. Si vous prenez l'eau d'épargne, ou l'eau de Contrexéville, vous avez encore plus de sulfate, et bien ce sont ces deux sulfates qui proviennent du gypse, donc de la dissolution. Et ici, alors je vous ai mis cette image, parce que si vous allez, alors on peut plus y accéder aujourd'hui, le BRGM a clôturé, mais sinon, c'était en visitant avec des étudiants, en les emmenant sur place pour leur montrer tout cela, et bien vous aviez un drain qui passait sous les terrils, où vous aviez la dissolution, l'oxydation des sulfures, et vous formez de l'acide sulfurique, donc vous avez des sulfates. Et puis vous avez un petit ruisseau qui est riche en carbonate de calcium. Et là, la partie blanche que vous voyez, eh bien, c'est là vous avez la réaction de la droite vers la gauche, et vous avez le calcium plus le sulfate qui forment du sulfate de calcium. Voilà. Donc et pour les étudiants, c'est intéressant parce qu'ils voient quelque chose là qui se produit devant leurs yeux. Après, vous avez, quand vous regardez, ça c'est les eaux donc, qui vont être les roches sédimentaires, donc celles que nous avons ici. Si vous allez plus dans la montagne noire, ou le massif central, plus au nord, eh bien, donc, si on parlait de l'eau de Volvic tout à l'heure, eh bien, ces minéraux, vous n'en aurez pratiquement pas. Par contre, vous aurez la silice, les feldspathes, qui c'est un composé du granit. Et dans ces conditions, vous allez avoir ici l'acide silicique qui va apparaître, la silice dissoute. Et là, vous avez à nouveau la silice dissoute et du sodium qui peut apparaître, du potassium ou du magnésium dans ces conditions. Et là, vous formez un déchet de cette réaction. Et ce déchet de réaction, vous le connaissez et vous l'utilisez tous les jours. Si. Ça, c'est la kaolinite, donc qui sert à faire la porcelaine. Voilà. Et donc ce qu'on appelle le kaolin. Voilà. D'un point de vue minéralogique, ça s'appelle la kaolinite, et c'est ce qu'on appelle donc le kaolin, qui est donc utilisé, qui sert à faire la porcelaine. Ensuite, là c'était donc des réactions précédentes, c'était des réactions acide-base, et là vous avez des réactions de type redox.
Et vous avez la première réaction, c'est la réaction avec la pyrite. La pyrite, on a peut-être déjà vu, non? Vous connaissez? Alors c'est un minéral très, très intéressant, parce que c'est un minéral qui n'est pas stable, normalement, puisque c'est un minéral où vous avez des éléments qui sont réduits. Vous avez le fer qui est réduit, le soufre qui est réduit. Et pourtant, si vous laissez le pot sur la table ici, vous revenez dans un an, il n'aura pas bougé. Par contre, si vous mettez de l'eau, eh bien, vous aurez la dissolution et vous aurez donc le fer dissous qui va apparaître. Et là, vous formez de l'acide sulfurique. Voilà. Et les pH, quand vous avez la dissolution de la pyrite, donc c'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle les drainages mini-acides, vous avez des pH qui peuvent être de 2. Vous avez, si je reprends la vallée de l'Orbiel, vous avez juste, quand on remonte la vallée de l'Orbiel, vous avez le Russec à la sortie de Conques, et dans jusqu'à les années 2000, vous aviez un pH de 2 pour ce petit ruisseau. Voilà. Donc, était lié à la présence de cet acide sulfurique. Ensuite, il y a neutralisation des protons, ici, par la calcite, et vous avez l'autre côté des Pyrénées, ici, vous avez des rivières, des petits ruisseaux naturels, hein, cette fois-ci, c'est pas comme... Il y a des sulfures, et ces sulfures, lorsqu'ils arrivent au niveau de la... Lorsque la source arrive, donc, que l'eau percole à l'extérieur, vous avez des pH de 2, et au bout de 100 mètres, 200 mètres, l'eau remonte à pH 6. Voilà. Et vous allez à Bagnères, à Luchon, vous avez des choses comme ça. Hein. Voilà. Donc, au niveau des... Et ensuite, l'autre réaction redox qui joue un rôle fondamental sur la Terre, c'est celle-ci, c'est la photosynthèse, respiration. Vous avez le CO2, de l'eau. Ici, vous avez des photons. Et vous formez, ça serait du glucose ici, l'équivalent du glucose, donc c'est un sucre en C6, et vous libérez l'oxygène. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'oxygène ici est un déchet de la réaction. Voilà. C'est pas quelque chose qui... C'est vraiment le déchet. Et dans notre corps, nous luttons en permanence contre la présence de l'oxygène. En permanence. Il n'y a qu'un seul endroit où nous l'utilisons, c'est au niveau de la mitochondrie. Pour justement... déplacer l'équilibre de la droite vers la gauche, on réutilise la biomasse pour produire, alors au lieu d'avoir ici des photons, on produit l'énergie, on reproduit l'eau et on libère du CO2. Bon, c'est le cycle des électrons, vous retrouvez la même chose ici, photosynthèse, respiration, et puis là je vous embête avec ce qui est là, mais c'est important, vous allez voir comprendre pourquoi. Vous avez ici, cette réaction, là c'est la même chose que là. Et alors c'est M. Redfield, dans les années 30-40, qui a fait l'analyse donc des protoplasmes d'algues. Il a regardé l'analyse élémentaire. Donc il a obtenu qu'il y avait 106 carbone, 263 hydrogène, 110 atomes d'oxygène, 16 atomes d'azote et 1 atome de phosphore. Et à partir de là, il a écrit quels étaient les nutriments, qu'est-ce qu'il faut comme matière minérale pour obtenir cette matière organique. Et il a regardé, il a dit, ben, il faut 106, ici c'est l'acide carbonique, on trouve bien 106 carbone, ici il faut 16 azote et 1 phosphore. Voilà. Et là vous avez de l'eau, des protons pour équilibrer, il faut des éléments traces, vous le savez pour ceux qui font de l'agriculture, que si vous voulez que ça pousse, il va falloir qu'il y ait du fer, du manganèse, du molybdène, du silicium et d'autres éléments qui vont être nécessaires. Il n'y a pas le potassium ici, mais il faudrait le potassium. Voilà. Plus l'énergie solaire. Et là, vous allez faire donc de la biomasse. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé, il a dit, ben, si je fais le rapport le carbone, azote, phosphore, j'ai donc 106 carbone, 16 azote et 1 phosphore. Et bien, il est allé sur le terrain. Alors, j'ai pas remis la diapositive, mais j'en ai une autre. Et en fait, on observe sur le terrain que vous avez ici l'azote, le phosphore. Si vous faites dans les eaux normales, entre guillemets, s'il n'y a pas soit d'excès d'azote, soit d'excès de phosphore, vous avez ici une pente de 16 pour 1. Ça a été fait dans les océans, ça a été fait dans les eaux de surface, et vous retrouvez ça. Vous avez ici, au niveau de l'oxygène, là vous avez une corrélation positive, et entre l'oxygène et l'azote, ben, je reviens sur l'équation précédente, vous avez ici, si vous consommez de l'azote, vous allez produire de l'oxygène, donc c'est une corrélation négative. Et du coup, ici, vous avez beaucoup d'oxygène, peu d'azote, et quand vous diminuez l'oxygène, vous avez beaucoup d'azote. C'est ce qui se passe ici, dans un lac. Quand vous prenez un lac,
Vous avez en surface, vous avez la production d'oxygène par l'algue, par les algues, par photosynthèse, et les algues qui vont produire la biomasse vont consommer l'azote et le phosphore. Ensuite, quand cette biomasse va mourir, va sédimenter, vous allez donc ici avoir, donc vous n'aurez plus de photosynthèse, mais vous aurez donc que la respiration. Et si vous avez la respiration, vous allez donc consommer l'oxygène et reminéraliser donc les phosphates et nitrates. Vous aurez à nouveau le phosphore et nitrate qui vont réapparaître quand vous serez plus au fond. Voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé. Alors maintenant, vous avez ici un mot qui est l'eutrophisation. Qu'est-ce que c'est que l'eutrophisation ? L'eutrophisation, c'est lorsque vous avez un excédent de ces éléments. Soit l'azote, soit le phosphore. Donc, dans les surfaces continentales, l'élément qui est limitant, c'est le phosphate. Normalement, il y a suffisamment d'azote. Voilà. Pourquoi le phosphate ? Parce que les phosphates ont tendance à précipiter avec le calcium ou avec le fer. Et donc, du coup, il n'y a pas assez de phosphate. Et en milieu marin, c'est l'inverse. En milieu marin, il y a suffisamment de phosphore, mais il n'y a pas assez d'azote. Donc si vous apportez des nitrates, de l'azote en milieu marin, eh ben, vous savez que ce qui va se passer, il va donc avoir un développement d'algues. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est quand il y a un excès de nutriments. Voilà, donc vous avez ici le cycle des électrons. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez de l'oxygène, et en fonction de la consommation des oxydants, donc on parle de l'oxydant le plus élevé, et si vous regardez bien, à un moment, on va avoir H2S. Ça veut dire qu'ici, on a consommé tous ces oxydants qui sont au-dessus. Là, on peut avoir H2S, on peut faire aussi du méthane. Quand vous avez un méthaniseur, ça veut dire que vous êtes ici dans ces conditions de redox. Si vous remettez de l'oxygène dans un méthaniseur, il s'arrête. Voilà. Et après, vous pouvez même avoir de l'hydrogène. Et ce qui va réguler, notamment dans les lacs, mais aussi dans le milieu marin, c'est la masse volumique de l'eau. Et le maximum de la masse volumique de l'eau est à 4 degrés Celsius. Voilà. Et ici, je vous ai remis le graphique. Vous avez le maximum à 4 degrés Celsius. Donc, 1 litre d'eau à 4 degrés Celsius a une masse d'un kilogramme. Voilà. Si vous êtes en dessous ou au-dessus, l'eau est plus légère. Retenez ça. Et du coup, ben c'est ce qui se passe ici. Quand vous avez un lac dans la mer, vous allez donc avoir une couche superficielle avec la température plus élevée. Donc cette eau-là va être plus légère. Vous avez ici de l'eau à une température plus basse, donc elle sera plus lourde. Et vous avez donc une zone de ce qu'on appelle de thermocline. Et c'est, du coup, vous n'avez pas d'échange de gaz entre la partie de surface et la partie la plus profonde. Et ça va avoir des conséquences. Vous avez deux types de lacs, le lac oligotrophe et le lac eutrophe, c'est ce que l'on vient de voir. Et je vais comparer ici. Vous avez les mêmes conditions en température. On est au printemps, début du printemps. Ben, comme la température est constante sur un profil, eh bien, l'oxygène va pouvoir diffuser de la surface vers la profondeur. Et donc, vous aurez un lac qui sera oxygéné. Maintenant, vous êtes en été dans un lac qui est oligotrophe, c'est-à-dire qu'il y a très peu de nutriments. S'il y a très peu de nutriments, ça veut dire qu'il y aura très peu de production d'algues, très peu de production de biomasse. Du coup, eh bien, la quantité de biomasse, si la biomasse sédimente, il y aura très peu de consommation d'oxygène. Par contre, si vous êtes dans un lac eutrophe, vous allez produire beaucoup de biomasse. Et du coup, eh bien, cette biomasse va sédimenter et vous allez avoir des réactions de respiration, vous allez consommer l'oxygène. Une fois que vous avez consommé l'oxygène, vous allez consommer le manganèse. Une fois que vous avez consommé le manganèse, vous allez consommer donc le fer. Une fois que vous avez consommé le fer, vous allez consommer donc les autres molécules et vous allez produire H2S. Voilà. Vous avez parlé des algues vertes, voilà. Donc vous avez ici l'explication, je viens de vous expliquer comment ça fonctionne, pourquoi il y a ça. Vous avez ici ces algues vertes. Alors, ça, c'est la BD. Là, c'est un livre qui a été fait. Est-ce que vous avez vu le documentaire ? Personne ? Il y a un documentaire qui a été fait. Vous pouvez voir. Moi, je vous invite plutôt à lire la BD, qui est beaucoup plus intéressante, je trouve, que le documentaire. Voilà. Qui est beaucoup.
Il y a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de choses, alors que dans le documentaire, c'est beaucoup plus lisse. Et puis, ben, j'étais au mois de mai, donc au Mont-Saint-Michel. Là, vous avez un superbe coucher de soleil. Il y avait une marée qui était avec un coefficient supérieur à 100. Et là, vous avez les dépôts déjà de déchets, ici. Et puis ensuite, ben, en promenant dans une des baies, ici, donc la commune qui est appelée Boule, donc les Côtes d'Armor, en passant en voiture, je respire IH2S. Voilà, ça sentait H2S. Donc, en revenant, je me suis arrêté, et puis j'ai fait ces photos. Voilà. Le sulfure d'hydrogène. Donc, c'est ce gaz qui a été à l'origine de la mort de deux personnes, ensuite d'un cheval et de différents chiens. Voilà. Alors, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que vous avez ceci, et vous avez une croûte qui se forme en surface. Et comme vous avez une croûte qui se forme en surface, ça veut dire que vous n'avez plus d'oxygène qui peut pénétrer. Et donc, la séquence redox que je vous ai écrite auparavant va donc se faire, et vous allez avoir ceci. Et vous allez vous retrouver dans ces conditions, vous allez former d'H2S, voire du méthane. Et donc si vous marchez, vous cassez la croûte et le H2S va partir dans l'atmosphère. C'est ce qui s'est passé dans ces cas. Alors je peux vous dire que en 2019, il y a eu un cas relativement similaire qui s'est passé dans la vallée de l'Orbiel. Mais il n'y avait pas que du H2S, il y avait aussi des cyanures. Voilà. Vous reprenez au mois d'août l'indépendant ou le midi libre de cette période, vous verrez qu'il y a eu un accident dans ce cas-là, et c'est une personne qui devait retirer des embâcles, et donc avec son engin, il a cassé cette croûte justement, et il y a tout ce dégagement gazeux. Il avait des ouvriers qui travaillaient avec lui qui ont été donc intoxiqués, mais lui travaillait avec sa pelle mécanique, et du coup, les gaz sont entrés dans la cabine. Voilà. Et lui, il a été beaucoup plus touché que les ouvriers qui étaient à l'air libre. Voilà. Voilà. Alors, je vais peut-être m'arrêter là quand même. Voilà. Après, j'ai plein de choses, mais... Et puis, j'ai... Voilà. Comment ça, c'est dommage. Je peux revenir, hein. Voilà. Là, vous avez quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, c'est Narto. Vous n'avez jamais entendu parler de Narto ? Narto, c'est ce que vous voyez ici, quand j'étais avant-hier, mais de loin. Là, j'étais en bas. Là, vous avez... c'est de l'arsenic, ça, ce que vous avez qui est du blanc. C'est 30% d'arsenic ici. Voilà. Voilà. Donc, c'est... C'est des choses comme ça qui permettent... Alors, je vais aller jusqu'au bout. Voilà. C'est pour la fin, pour la conclusion. Voilà. L'eau est l'élément le plus essentiel de la vie, parce que sans eau, tu ne peux pas faire de café ou de thé. Bon, Jean-Marie ne l'a pas dit tout à l'heure. Bon, je travaille sur le thé aussi, c'est pour ça que j'ai rajouté ça. Et puis, tous les remerciements. Donc là, c'est la Loire, ici. Et vous avez donc toutes les personnes qui ont participé au travail que je vous ai montré. Et ici, j'ai cité donc, cette eau légère, je la savoure. Donc c'est ce dessin. Donc, et là, vous avez le canal du Midi. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Une ressource à préserver. Merci Philippe pour toutes ces informations, même si elles sont passées très vite à la fin, on a eu le temps peut-être de façon subliminale de les recevoir, donc peut-être on pourra les restituer après. J'avoue que l'eau d'Alette, elle appartient à qui? Pardon? L'eau d'Alette. Dans quel groupe elle est? C'est notre eau minérale audoise. Oui, non mais... Je ne sais pas, là, j'ai plus... C'est pas important, c'était plus une plaisanterie. Non, c'est pas une plaisanterie.
Je connais beaucoup d'eau, c'est vrai, de composition. Je regarde, je suis très curieux de toutes les idées. Il y a eu beaucoup de dialogue pendant la présentation, c'est bien. Donc, justement, d'habitude, je serais intervenu, mais là, je trouvais au contraire que c'était enrichissant, parce que c'était, même si tout le monde ne pouvait pas entendre, c'était quand même assez... Mais maintenant, si vous avez des questions un peu plus longues, un peu plus précises, oui, je vous la pose. Oui, merci pour votre exposé. Pour la première partie, je voudrais essayer de tirer la conclusion, ou plutôt que vous tiriez une conclusion. Comme nous sommes en retard sur tous les correctifs qu'il faudrait apporter, est-ce que vous pensez qu'on va vers une crise aiguë, et dans quel laps de temps? Alors quand je dis crise aiguë, c'est... on va empêcher les agriculteurs d'arroser, on va dire aux industriels fermez tes usines, avec tout le chômage que ça va entraîner, on va peut-être laisser l'eau pour les humains, quelques temps, et puis après. Alors, dans quel laps de temps vous pensez qu'on va vers une crise sévère? Alors, votre réponse, c'est difficile à répondre dans la mesure où... Vous voyez, si je compare entre 2022, 2023 et 2024, les gens disent, 2024, on a beaucoup d'eau, et ils vont avoir l'impression qu'on pourrait réexploiter et réutiliser beaucoup d'eau. En fait, on se trompe. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui... Je pense qu'il faut le prendre dès le plus jeune âge et d'essayer d'éduquer les gens à moins, et là j'ai bien le terme, moins prélever et moins consommer. Après, pour faire pousser une plante, c'est clair qu'il y a une quantité d'eau indispensable. Est-ce qu'il faut après envisager de changer les modes d'irrigation? Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé de Gaza. Mais l'un des pays les plus forts aujourd'hui sur l'économie d'eau, c'est Israël. Donc ils ont... développer. Moi, je connais des gens là-bas, j'ai travaillé avec des gens d'Israël, et je peux vous dire que c'est parmi les scientifiques, parmi les meilleurs au monde sur le domaine de l'eau. Voilà, parce qu'il y a des besoins, et puis ils vont travailler de façon à ce qu'ils vont optimiser l'eau et éviter les pertes. Donc là, je viens de dire quelque chose, c'est aussi éviter les pertes. Et quand vous savez que pour faire pousser un oranger, pour faire pousser du blé, ou etc., il vous faut tant d'eau à l'hectare, mais sous quelle forme, à quelle période, et ne pas l'apporter n'importe quand et n'importe comment. Et donc réfléchir à tout cela. Ensuite, comment stocker l'eau? Vous avez dit tout à l'heure, je stocke de l'eau. Mais comment je stocke l'eau? Et il y a aussi ça, parce que quand je prends les méga-bassines, vous avez calculé l'évaporation? C'est énorme. Quand vous preniez l'exemple de... Moi, je suis arrivé à Toulouse quand il y avait Sarlat, quand on discutait du barrage. Il y a eu après le barrage de Sivin, dans le Tarn. Mais quand j'écoutais cela, je me disais, mais on va faire des barrages dans des zones où il y a beaucoup d'évaporation. Mais pourquoi est-ce qu'on voulait faire Sarlat? Pas Sarlat... Non, pas Sivin. Celui dans les coteaux de Gascogne, là... C'est dans les années 2000. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça? C'était pour avoir un... C'était pas pour l'agriculture. C'était pour avoir un débit d'étiage suffisant pour la Garonne pour que Golfech puisse fonctionner en été. Voilà. Alors après, il y avait la pression agricole pour dire, bah oui, il faut aussi de l'eau pour le drainage, pour l'irrigation, pardon. Donc il faut... Mais la raison première, c'était ça. C'est comme pour Sivin, quelle était la première raison? Ce n'était pas la raison agricole. C'était pour avoir un débit d'étiage dans le Tarn qui soit suffisant pour que l'usine, la laiterie qui était à Villemur-sur-Tarn, puisse avoir qui est suffisamment d'eau, et je reviens tout à l'heure au problème de flux, donc qu'il y ait suffisamment d'eau dans le Tarn pour qu'eux puissent rejeter leurs déchets directement dans le Tarn, sans traitement. Donc vous avez... Donc il faut réfléchir, il faut avoir toutes les informations pour se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Voilà. Mais pour revenir à ça, je pense que le mieux, c'est qu'il faut réfléchir comment est-ce que je peux économiser l'eau et éviter les pertes.
Et ça, c'est un point clé. Comment je peux faire? Est-ce que j'ai besoin de passer 10 minutes dans une douche, par exemple? Voilà. Donc, est-ce que je peux me laver en 3 minutes? Je parlais de 3 minutes tout à l'heure. Et alors, pour revenir à votre eau des toilettes, eh bien, je me souviens d'une longue discussion que nous avons eue, justement, toujours avec les niveaux bruxellois. Et dire qu'on va faire une séparation, ce qui était envisagé, ça va très bien si vous avez un système qui est complètement étanche et que vous êtes sûr que personne n'utilisera ces eaux à d'autres fins que pour les toilettes ou autre chose, qu'il y ait un recyclage pour ça. Parce que si vous avez une population qui ne peut pas payer l'eau, ils vont aller chercher ces eaux-là puisqu'elle sera beaucoup moins chère. Et donc vous aurez tout un problème sanitaire qui ira derrière. Voilà. Et c'est quelque chose qui est très important. On a beaucoup réfléchi là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Parce que pour les gens qui ont les moyens de payer, à la limite, c'est pas grave. Mais pour ceux qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas accès à de l'eau ou qui n'ont pas les moyens de payer, eh bien ils vont utiliser ces eaux et c'est des eaux qui sont au niveau microbiologique qui sont entre guillemets toxiques. Ils ne sont pas potables. Et donc du coup, vous allez avoir des risques sanitaires qui vont être colossaux. Voilà. Prenez le micro, s'il vous plaît. L'assainissement est payé via notre facture d'eau. Oui, c'est juste. Donc si on paye moins d'eau parce qu'on en consomme d'eau potable, parce qu'on en consomme moins, parce qu'elle est séparée et donc mise l'eau brute mise pour les toilettes, etc. Cette eau brute, du coup, part vers l'assainissement. Oui. Mais est moins, du coup, l'assainissement est moins financé. Et du coup, il y a un système d'équilibre économique des systèmes de traitement des eaux qui ne sera plus assuré. Non, sinon vous augmentez la redevance. Vous augmentez la redevance, mais il y a un côté... On revient toujours au même problème. Oui. C'est le coût de la partie économique. Oui. Non, je suis d'accord avec vous. Mais il y a de plus en plus de réutilisation. Aujourd'hui, vous allez à la région Occitanie, où on va faire de l'hydrogène. Pour faire de l'hydrogène, il faut quoi? Il faut de l'eau. Voilà. Et notamment dans l'Hérault, où c'est porté par le conseil régional, eh bien, on va financer de la recherche dans un département où actuellement il y a un déficit en eau pour faire de l'hydrogène à partir de l'eau. Voilà. Donc, il faut parfois réfléchir. Alors, on va faire de l'énergie, mais oui. Et enfin, qu'est-ce que vous pensez, notamment il y a des start-up comme Etol Water, les ingénieurs tunisiens, les ingénieurs marocains, qui prennent, à Gibraltar aussi, j'ai vu ça, l'eau dans l'atmosphère. J'ai appris que ça fait de 500 à 1000 litres d'eau par jour et par une installation. Qu'est-ce que vous pensez de cette technologie qui arrive, en fait, qui doit coûter très cher? Mais en fait, cette technologie, elle existe depuis très longtemps. Oui, voilà. C'est une technologie qui existe. D'ailleurs, la première personne qui m'en avait parlé, c'était Guilain de Marcilly. Donc, c'est quelque chose qui est ancestral dans cette culture de récupérer cette eau qui condense sur les fils. Et je peux vous dire même une chose, c'est qu'un des élèves de l'école que j'ai suivi travaille dans ce domaine-là à Paris, et c'est une entreprise justement tunisienne. Voilà. Et donc le problème aujourd'hui sur lequel ils travaillent, c'est la qualité de l'eau qu'ils récupèrent. Voilà. Parce que comme c'est de l'eau atmosphérique, avec tout ce qu'il y a dans l'atmosphère, j'ai pas parlé de ça, j'ai travaillé là-dessus aussi à un moment, je peux vous dire que dans l'atmosphère, vous avez beaucoup de choses. Voilà. Et donc, comment arriver à purifier cette eau? Et donc là, il va commencer une thèse, et sa thèse va porter sur l'amélioration, comment traiter cette eau pour qu'elle soit potable, et donc d'utiliser ces systèmes dans des zones où il n'y a pas de... En plus, au niveau électrique, on peut mettre des panneaux photovoltaïques, ce qui permet d'avoir de la production d'eau de qualité. Voilà.
Merci pour la... Et c'est justement un des étudiants qui était parti au Vietnam faire son master là-bas. Voilà. Oui, c'était la question que je voulais poser à propos des... j'ai entendu parler des rivières du ciel. Ah oui, ça c'est... Non, ça, j'ai pas mis cette fois-ci, mais vous avez un... Vous avez donc en Amazonie, vous avez des fleuves. Des fleuves. C'est un fleuve qui est au-dessus de la canopée. Et il y a de très belles images. Il y a un documentaire qui est, où il y a trois parties qui est vraiment superbe. Et vous voyez l'eau qui se déplace exactement comme un fleuve, comme sur les eaux, comme le fleuve, au-dessus de la canopée. Et donc c'est pour ça que quand vous voyez la déforestation qui se fait en Amazonie, si vous coupez ça, c'est comme si vous arrêtiez donc un fleuve, une rivière. Voilà. Comment ? C'est de l'eau condensée, oui, qui se déplace voilà, à la surface de la canopée. J'ai une question anecdotique, c'est est-ce que vous pensez que dans un mois, les nageurs olympiques vont pouvoir se baigner dans la Seine ? Alors c'est à nouveau amusant parce qu'il y a un deuxième élève qui est aussi parti à Hanoï faire son master. Et son sujet de stage, c'était justement sur les méthodes de mesure pour mesurer dans la Seine. Pour, là, alors c'était l'an dernier, c'était la mise au point des systèmes de mesure qui sont aussi testés à Los Angeles. Et ils avaient fait déjà les premières mesures l'an dernier au mois d'août. Hein. Ils n'étaient pas très optimistes. Donc je ne sais pas, quand j'entends certaines énormités, mais quand vous avez des gens qui n'y connaissent rien, qui essaient de raconter des choses... Voilà, c'est compliqué. Et donc, de faire la part des choses entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Tant que je ne vois pas des documents avec des chiffres et puis des références bibliographiques qui font qu'on peut, il y a une crédibilité, c'est compliqué. Vous n'avez rien dit sur le canal du Midi. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le canal du Midi? Alors, je suis au conseil scientifique du réservoir. Vous savez où c'est le réservoir? Donc, et là, actuellement, avec VNF, on est en train d'essayer de monter une convention pour travailler sur la qualité de l'eau du canal du Midi. Et alors, il faut le savoir, que le canal du Midi, sa principale fonction aujourd'hui, c'est l'irrigation. Ensuite, c'est l'eau potable. Et enfin, la navigation. La navigation n'est que le dernier volet. Oui, la partie touristique. Ah, pardon. Il paraît qu'en Catalogne, on utilise, quelque chose comme 30% d'eau grise dans l'agriculture. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un exemple, un modèle ou, Non, c'est juste, il y a des essais qui sont faits en Catalogne. Donc, il y a un des collègues de l'Université de Catalogne, l'Institut Polytechnique de Catalogne, qui travaille là-dessus. Depuis maintenant quelques années. Et donc, alors, tout le monde sait ce que c'est que des eaux grises? Alors, définissez ce que c'est les eaux. Dites ce que c'est que les eaux grises. Voilà, c'est les eaux usées. Voilà, on distingue. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on distingue entre les petits cycles de l'eau et le grand cycle de l'eau. Le grand cycle de l'eau, c'est ce que j'ai montré. Le petit cycle de l'eau, les eaux que vous prélevez au niveau personnel et vous rejetez ensuite qui retourne dans la rivière par les stations d'épuration. Ça, c'est le petit cycle de l'eau. Voilà. Et donc ça, c'est... Et après, on a les eaux grises. Et donc les eaux grises, c'est celles qui sont les eaux usées. Et aujourd'hui, donc c'est aussi un des projets qui est donc ce qu'on appelle la réutilisation de l'eau. Même ici dans la région Occitanie, il y a un défi clé eau qui est financé par la région Occitanie. Et bon, je participe à un des projets pour voir comment on peut réutiliser ces eaux. Voilà. Comme ce qu'il fait en Catalogne. Et voir. Alors, il y a des communes où c'est notamment dans les Pyrénées-Orientales où il y a des sites pilotes pour cela. Voilà. Je parlais tout à l'heure de la CLAP. La CLAP, vous avez le conservatoire de la viticulture, donc tous les 8000 variétés de vignes. Oui, c'est ça. Qui sont là-bas. Pour moi, c'est un non-sens d'avoir mis ça là-bas. Il n'y a pas d'eau. Donc, il y avait trois sites potentiels pour l'INRAE. Ils ont choisi celui-ci, je ne sais pas pourquoi. Parce que le deuxième site, c'était Bordeaux. Et le troisième site, c'était Colmar. Bon, entre les trois,
mon choix aurait été vite fait. Pas uniquement parce que c'est l'Alsace. Parce qu'il y a de l'eau, il y a les eaux souterraines, donc j'étais sûr d'avoir suffisamment d'eau pour pouvoir irriguer s'il y avait besoin d'irriguer. Là, l'eau qui est à la clape aujourd'hui, pour l'Alsace, c'est de l'eau qui provient de la station d'épuration et qui est donc des eaux grises qui sont ensuite remontées donc sur la partie donc de la clape au-dessus pour le centre Inarae donc où il y a la vigne. Voilà, pour irriguer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'étais là-bas, eh bien, il était tombé 140 mm d'eau en un an, donc 40 mm d'eau en la semaine d'avant, en une journée. Donc ils sont obligés d'utiliser d'eau et donc ils utilisent cette eau. Mais quand on sera en été, où il y aura la concurrence avec le tourisme, voilà, on va se retrouver avec des gros problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Il y a une question. Deux questions. Monsieur. Oui. Oui, bonjour. Non, justement, par rapport à la concurrence consommation en eau, l'été dernier, il y avait dans les RO, dans les PO, les RO, beaucoup de villages qui avaient pénurie d'eau, et j'ai entendu qu'on avait interdit l'arrosage des jardins potagers. Alors, moi, ça me paraît curieux par rapport à ce que vous avez dit. Finalement, les gens qui n'arrosent pas leur jardin, ils vont acheter le melon et prendre de l'eau ailleurs. Mais est-ce que ça ne serait pas une priorité, le potager ? Si vous mettez du coude à goutte, pourquoi pas? Et du coude à goutte, et je reviens à la troisième diapositive de tout à l'heure, avec la Tunisie et l'Oasis. Si vous avez de l'eau qui est trop salée, ou qui n'a pas les bons minéraux, quand vous faites ça, c'est ce qui s'est passé en Israël au départ, quand ils n'avaient pas fait attention, et ils avaient une salinisation des sols. Donc il faut savoir quelle est la qualité de votre eau. Si votre eau n'est pas de qualité acceptable, vous allez avoir des problèmes au niveau du sol. Donc la plante aura des soucis. Donc il faut savoir exactement ce que vous faites. Mais l'irrigation, arrêter l'irrigation, et puis c'est vrai qu'aller acheter un melon qui vient de... ou les mangues qui viennent, voilà, ou les avocats qui viennent d'Espagne, voilà, et donc vous avez ici un problème. Le problème, c'est que ceux qui décident n'ont pas forcément d'informations. Voilà. On leur dit que vous avez un cabinet. Alors, je vais répéter ce que j'entends, parce que je suis... Il y a beaucoup maintenant de scientifiques qui gravitent autour d'un homme politique et qui disent ce que l'homme politique ou la femme politique veut bien entendre. Voilà. Donc, plutôt que de dire voilà ce qu'il faudrait faire, ils vont dire voilà, autre chose, parce que c'est plus leur intérêt que se protéger pour avoir des promotions, des machins, tout ce que vous voulez. C'est des humains. Nous sommes des humains. Il y avait une question là-bas, à droite. J'ai deux questions différentes. Le regretté professeur Salvert de l'Université de Perpignan, j'ai connu, nous disait que les corbières, l'eau qu'il y a sous les corbières, c'est la plus grande réserve d'eau d'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Et deuxième question, on a parlé du canal du Midi. Qu'est-ce que vous pensez des rejets, des péniches, des touristes qui représentent, je crois, une très grosse pollution dans le canal du Midi? Alors, j'ai pas les chiffres. Je sais qu'il y a des hydrocarbures, notamment. 70. Il y a des hydrocarbures. Normalement, sur les péniches, vous avez des systèmes d'épuration des eaux, des traitements des eaux, parce que... Voilà. Les rejets. Parce que moi, je connaissais des gens, il y a des collègues de l'école où je suis, d'ingénieurs, où ils habitaient sur une péniche avant. Voilà. Donc, ils avaient normalement des réglementations, et tout le monde ne respecte pas. Et puis, c'est toujours la même chose. Hein. Si vous pouvez éviter ça, ça veut dire que vous n'avez pas d'entretien, donc ça va vous coûter moins cher. Quand j'étais à Zurich, hein, je travaillais sur la chimie des eaux atmosphériques, pendant 5 jours, il n'y avait pas de rejet dans l'atmosphère. Le vendredi soir, quand je partais de l'institut où je travaillais, il y avait les fumées qui émettaient dans le ciel, il n'y avait plus de contrôle. C'était en Suisse. Voilà. Ensuite, pour les nappes, ça, la plus grande nappe d'Europe, c'est celle du Rhin supérieur.
Ça, le décor vient tout de suite derrière. Non, pas du tout. Cousteau a perdu un homme d'ailleurs. Non. Oui, mais après, là, vous êtes dans les systèmes karstiques. Vous êtes dans un système karstique et donc c'est très compliqué. C'est dans les systèmes karstiques, donc c'est très compliqué. Voilà, et évaluer les volumes d'eau, alors c'est voilà. Donc là, il n'y a pas photo. Le plus grand, c'est celui-là. Ensuite, vous avez d'autres systèmes de plaines alluviales qui vont avoir des aquifères très importants. Mais ce ne sont pas les corbières. Il n'y a aucun fondement. Oui, ces déclarations qu'on entend régulièrement, qui reviennent dans la presse au moins une fois par an, n'ont pas de sens d'un point de vue hydrogéologique. Et aujourd'hui, il y a des recherches qui sont menées, il y a un groupe de travail sur le karst des Corbières qui travaille sur ces questions-là. Et il y a au contraire plutôt des problèmes de remontée des eaux salées en amont, liés au prélèvement, et avec des systèmes d'équilibre dans le karst qui font qu'il y a des réserves, certes, qui sont difficiles à estimer, mais c'est pas l'océan sous terre comme on l'entend parfois, pas du tout. Non. Il y a une remarque ici, une question ? Merci. Alors, moi déjà j'habite à Arzins, donc une petite ferme au-dessus d'Arzins où quand je suis arrivé il n'y avait pas de système d'assainissement. Et j'ai reçu, donc parce que la mairie d'Arzins a participé au Carcassonne Agglo, une subvention importante pour la construction d'un filtre vertical planté. Là. Donc voilà, c'était quand même une heureuse surprise parce qu'on allait le faire dans tous les cas, mais on a eu une importante prise en charge pour ça. Moi ma question elle se tourne vers les piscines. Il y a un grand développement de piscines individuelles, surtout. J'aimerais savoir si on peut quantifier l'impact en perte d'eau entre prélèvement et consommation. Et est-ce qu'il y a certaines technologies qui sont plus acceptables que d'autres ? Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène de développement énorme des piscines individuelles ? Je n'ai pas de chiffres. Je n'ai pas de chiffres. Par contre, d'un point de vue personnel, je considère que je préfère aller à la piscine communale que d'avoir une piscine qui fait tant de mètres cubes d'eau que j'utiliserai un très peu de temps par rapport à l'année et par volume d'eau immobilisé. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est important. Et donc là, il y a un problème de... Je dirais... Pour l'instant, chacun peut construire une piscine, mais au niveau quantité d'eau, moi j'ai vu encore il n'y a pas longtemps, pas trop loin de chez nous, une piscine qui a été vidangée dans le réseau d'eau potable, dans le réseau du pluvial. Moi ça me pose question aussi, de faire ça. Et c'était une piscine, grande piscine, qui appartient à un ensemble d'immeubles. Voilà. Donc pour moi c'est je dirais, soit on veut vivre ensemble, soit on vit chacun chez soi et enfermé dans son système et avec une barrière et une muraille autour de chez soi. Dans ce cas-là, on peut avoir une piscine. Sinon, on partage. Et là, on partage un bien commun qu'est l'eau. Bonjour, juste le monsieur parlait de filtre vertical. Moi j'envisage d'installer une station phytoépuration. Est-ce que c'est un bon choix aujourd'hui ou pas ? Il y a différentes techniques, donc on peut envisager plein de choses sur ces systèmes-là. Après ça dépend où vous habitez. Ici vous avez des conditions climatiques qui permettent de faire certaines choses, donc il faut le faire en fonction de cela. Après, ça dépend du type de sol, de sous-sol que vous avez. Donc il y a tout ça à étudier, donc pour être sûr d'optimiser, de faire en sorte que, de toute manière, ça veut dire que vous avez des contraintes au niveau de la maison, ne pas utiliser tel ou tel type de produit, parce que vous avez ce qu'on appelle après des molécules
les xénobiotiques, hein, qui sont des molécules qui ne sont pas des biodégradables et donc qui vont être propagées plus loin dans le sol, dans le sous-sol. Voilà. Donc là, il y a tout, aussi un système d'éducation qu'il faudrait avoir. Quand vous avez un système individuel, savoir déjà même au niveau quand vous rejetez dans une station d'épuration, c'est quel est le devenir des molécules que vous avez. Voilà. Donc les médicaments, les hormones, tout ça que vous allez utiliser et qui vont se retrouver au niveau donc, des eaux et que vous allez avoir ensuite dans le sous-sol. Alors c'est pas vous, vous le verrez pas parce que vous avez eu les temps de séjour tout à l'heure, quand je l'ai dit que c'était 1 mètre par jour, donc si ça se déplace d'un mètre par jour, donc ça peut être visible seulement dans beaucoup plus de temps. Voilà, donc c'est une chose, et par rapport à ça, donc l'Europe justement avait fait un gros travail pour justement normaliser les systèmes qu'on pouvait mettre en place pour la... le traitement individuel. Il y a une question. Oui. Merci. Vous avez évoqué les choix des hommes politiques de temps en temps. Je pense que vous avez dû connaître le choix qui a été fait il y a 70 ans. Sur la côte, les stations n'étaient pas construites. La Grande Montre n'existait pas, et les autres stations non plus. La Grande Montre est construite sur un terrain salé. Vous avez bien montré tout à l'heure que les terrains salés ne sont pas favorables aux végétations. Il était prévu un canal qui s'appelle le canal du Baron de Languedoc, qui arrive jusqu'à en grand débit un peu après Nîmes, et qui arrive jusqu'à la station de Portalis en 2018. Oui. Les hommes politiques ont refusé la prolongation jusqu'à Perpignan. Donc, vous voyez, premier choix. Deuxième choix, vous avez évoqué la centrale de Golfech. Elle n'aurait jamais dû être construite là. Elle aurait dû être construite à côté de la Nouvelle. C'était ce qui était prévu. Donc, les choix des hommes, de temps en temps, qui déplorent un certain nombre de choses, ont choisi à un certain moment. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Il y a des choix à faire. Et vous, une des raisons pour laquelle on traîne sur la construction du TGV entre Bordeaux et Toulouse, hein, c'est la production d'électricité, d'avoir ce suffisamment d'électricité. Parce que il faut, quand un TGV accélère, je serai à Chinon, la centrale nucléaire, jeudi prochain. Il faut, c'est 10% du réacteur, d'un réacteur, quand il accélère. C'est pour ça que les TGV, il y a un cadencement qui est fait. Et donc, s'il y a un retard d'un TGV, ça a des conséquences sur l'ensemble. Voilà. Donc, toute cette production d'électricité, ce que vous dites, bon, après les choix politiques, ben, c'est pas... Voilà. Mais il faudrait avoir un choix de décision politique éclairé. Est-ce que vous pensez qu'il y a une adaptation des organismes de certaines populations au fait qu'on arrose avec des eaux grises ? Je vous dis pourquoi. Je me trouvais en Égypte en 2000 et déjà le maraîchage était arrosé avec des eaux grises. Or, il nous était recommandé de ne manger aucune crudité. Ceux qui ont testé ont payé très cher. Par contre, pour les populations autochtones, il n'y avait aucune conséquence. Alors je me suis toujours posé la question. Ça date de 2000, c'est pas très loin, mais enfin... Déjà en 2000, on utilisait les eaux grises en Égypte. Mais c'est même déjà avant. Mais ce que je veux dire, c'est que là, le problème, il est lié aussi au fait que vous avez le système immunitaire. Et donc, en fonction de ce que vous avez vécu, votre passé, nous sommes de plus en plus fragilisés parce que justement, nous vivons dans un système, où nous voulons plus. Avant, voir un enfant qui prenait la terre et qui la mettait à la bouche, ici, en fait, il s'immunisait. Aujourd'hui, toute cette partie-là disparaît. Et donc, il y a plein de choses qui changent. Au niveau de... Et vous êtes plus facilement malade parce que vous êtes dans un système de plus en plus propre. Et quand vous allez dans un pays étranger, vous parlez de l'Égypte,
Bon, moi, je vais dans d'autres pays, le Vietnam, bah, c'est pareil. Voilà, donc c'est, vous avez des différences. Moi, je vais poser une question qui va sûrement vous mettre mal à l'aise. Qu'est-ce que vous pensez de l'irrigation des vignes et surtout des subventions qui sont données pour l'irrigation des vignes? Bon, alors c'est très simple, je suis contre. Pour moi, c'est un non-sens. Voilà. Mais après... Oui, je sais. Après, il y a c'est que vous avez les gens qui vivent ici, qui ont fait de la vigne. Donc, il faut aussi réfléchir à la reconversion. De façon à ce que les personnes qui n'ont fait que de la vigne puissent aussi faire autre chose que de la vigne. Et qu'est-ce que vous allez faire ici? Voilà. Mais je suis alors parfaitement d'accord. Je travaille sur un projet avec l'INRAE à Montpellier sur ces problèmes-là. Et quand j'entends ce qui se dit, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. La subvention, là, pour moi, c'est exactement. Je vais vous dire une autre chose. La personne qui est avec moi, là, donc qui est, nous travaillons sur le thé. C'était en 2019. Nous sommes allés dans les Pyrénées-Orientales. Il y a une serre subventionnée par la région où on cultive du thé. Il faut 2 mètres d'eau de pluviométrie par an. Bon, donc indirectement je réponds à... Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait, et je reviens à ça, que les politiques, eh bien, prennent conscience. Alors après c'est vrai que s'ils disent on ne subventionne plus, vous avez les agriculteurs dans la rue. Donc comment, et je reviens pour ça que je dis, il faut arriver à mettre tout le monde autour de la table, ce qui est compliqué, et puis ensuite, ben, faire en sorte que on change les pratiques, et puis surtout qu'on ne donne pas de l'argent pour faire que les gens continuent à utiliser les pratiques qui sont, on va dans le mur. Je peux vous dire que quand nous avons visité ça, ben, moi j'étais scandalisé, la personne avec moi était pareil, scandalisé de voir qu'on subventionne ça, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Comment on va faire le golf dans les Pyrénées-Orientales? Allô, je suis viticulteur. Oui. Bon, il ne faut pas généraliser, parce que vous avez des vignes suivant la localisation qui résistent beaucoup mieux. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais après, il faut faire le choix. Moi, j'ai 35 hectares de vignes, j'ai pas une goutte d'eau et mes vignes se portent très bien jusqu'à maintenant. Mais je suis à un endroit qui va bien pour la vigne. Mais je suis d'accord avec vous. Voilà. Il faut avoir des porte-greffes. Il faut des porte-greffes et puis ensuite des cépages qui soient adaptés. Voilà. Et si vous faites ça, mais il faut changer les habitudes. Et puis il y a des cépages qui sont moins contraignants que d'autres. Je connais bien, je suis d'Alsace, je vis aussi dans la vallée de la Loire, et j'ai de la famille sur la zone de Vouvray. Donc j'ai les champs, j'ai les vignes juste à côté, à 20 mètres. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Mais, il n'y a pas que les centrales nucléaires qu'il faut. Vous délocalisez la pollution chez les autres. Vous allez produire les terres rares, vous allez chercher où? Là aussi, vous pouvez remettre Salsigne en route. Hein. C'est à l'heure du jour. Hein. J'ai reçu un document la semaine dernière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez chercher les terres rares ailleurs, il vous faut de l'eau, etc., etc. Donc, et ne mettre les œufs que dans le même panier, vous savez ce que c'est conduit. Voilà. Ça peut être bon avec de la truffe ou des sapins. Hein. Une question un peu plus vaste. Est-ce que vous pensez que notre petite planète bleue peut contenir 12 milliards d'êtres humains? Sachant qu'en 1900, on était 2 milliards, exponentiellement,
Qu'en pensez-vous? Alors, une fois, j'ai, par rapport à cette question, quand j'ai fait ça en cours, y a plusieurs élèves qui m'ont dit, mais ma réponse, vous allez voir ma réponse, ils m'ont dit, mais vous êtes pour l'eugénisme? Donc, voilà, donc c'est sûr qu'à 12 milliards, ça s'en va dans le mur. On a déjà des problèmes aujourd'hui. Voilà. Et surtout si tout le monde veut avoir le même niveau de vie que celui que nous avons. Et ils sont légitimes à vouloir le demander. Hein. Parce que dans beaucoup de cas, nous exploitons encore leurs ressources et nous en profitons à leur détriment. Voilà. Donc, je pense que nous allons finir ce soir. Merci Philippe. Merci pour cette super exposé. Merci à vous pour ces questions.